Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalate. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. C'est parti pour la deuxième partie de l'émission Bosolo na politique. Il y a Mokolo, il y a Lelo, Tozali Mokolo. Il y a mercredi 17 avril 2024. Nous sommes en direct sur Facebook. Bosolo na politique officielle. Mbote pe na bino ba boko landa biso na YouTube. Bozwami na mikili ya bapaya. Bande konyonso bozwami na Amérique, bo ali na Europe, ba na Afrique mobimba. Topesi bino mbote bande ko boko landa biso. Bozwami pe na Océanie mbote bisika bozali. Tukotanga nano ba information du jour po to yamba penza bande ko mibale ba invité na biso oyo ba ye na kati ya plateau na biso. Nous allons lire les informations. RDC, traitement réservé au cardinal Ambongo Andjili, Ensemble pour la République dénonce une énième dérive du pouvoir. Béni, 5 ADF neutralisés et un autre capturé par la coalition FARDC-UPDF. Ituri, les hauts commissaires de l'ONU aux droits de l'homme alertent sur la situation difficile des déplacés. L'armée renforce sa présence à la frontière avec les Soudans du Sud et de l'Ouganda. Fraude électorale à Massimanimba. Les ministères publics citent deux candidats qui auraient prêté leur véhicule à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Justice. Les parquets près la Cour de cassation s'activent à traquer les auteurs lors des élections des sénateurs et des gouverneurs de province. Assemblée nationale, plénière ce mercredi 17 avril pour la mise en place d'une commission devant statuer sur la répartition au sein du bureau définitif. Assemblée nationale, élection du bureau définitif, il n'y a aucun blocage, rassure Christophe Mbosso, président provisoire de l'Assemblée nationale. Sur ce plateau, Toali na bandeko mibale, ndenge na lobai na bino kino na ebandeli, Toali na mwana mboka Prince Epengé, wazali président il y a ADD Congo, le cadre na kati ya coalition la boka Prince Epengé, bienvenue. Merci Mamelo pour l'invitation à eux. Voilà, vous êtes en forme. Et... oui, assez performé bien sûr. Mbotepe na baiba kolanda biso, mbotepe na ko débattre en anglais. Voilà, merci beaucoup Prince Epengé. To ali pe na mwana mboka mosusu na kati ya mboka na biso, d'où Jésus Beledou, Wali, Mopandi Sango, du Jésus, Mbote, Pemikolo et Bele. Mboula Mobimba. Ngaine na kotu na yo. Mbote. Mbote na yo. Mbote na ndeko Prince Epengé. Na yite soki bo pesa nga embargo e koleka na. To yo no kanga manga na Dubai. Ye bisa bisa bo solo. La zala Kinshasa na ko sa musa na ngai. Na pesi ba yenyo so ba ko landa ka biso Mbote na ko plaider pour na débat moko démocratique. Voilà. Merci beaucoup. Du Jésus, merci aussi à Prince Epengé, vraiment. Biso ban soto ko senga de boy alelo bato penza bisika ban so wali. Olanda biso po bande ko balobi e ko zala penza démocratique. Voilà. To ali na ba sijo to lengeli bande ko bana kati ya plateau na biso. Biso ban so
tomonaki le cardinal Fridolin Ambongo lolenge akindaki na aéroport ya Njili pe bomoni lolenge cardinal Fridolin Ambongo toyebite to lobanini ba pimelie ba boya kota na kati ya salon VIP mais e suscité pe ba réaction mo mingi bande ko ya catholique ba boy ba politique mosusu pe ba boy yango société civile mosusu pe lobby et à la kaboyete ali prela na kati ya mboka na biso bokoki ko tambwisa ye na lolenge wana te nini kaka po lobby nde sali nkoko soboye tokosolola na kati ya plateau na biso tokosolola pe parce que toyebi ete kino weekend bandaki la première ministre madame Judith Suminwa Tuluka a utaki ko banda ba consultation yango pe ko susciter ba réaction balobi mikolo eko kende pourquoi encore ces consultations et ali na litomba nini différence ali nini na consultation oyo premier ministre ako sala na oyo informateur formateur l'honorable Augustin Kabuya a utaki ko sala bande ko ba ko pesa makanisi na bango likambo ya tai ya gouvernement gouvernement congolais ezala na ba ministre boni moto na moto ako belela na kwena e parti politique nyonso eko belela na mopandi na yango kasi tokoyoka bande ko bana kati ya plateau makanisi nini oyo bango bako pesa par rapport ya mai matalita ya gouvernement bande ko nini ofo bazonga ba ministre nini oyo mboka ebetela ki maboko ifo bazonga ba warrior nini ofo bazonga na kati ya gouvernement oyo ya deuxième mandat ya 2024 oyo kukambama epa ya madame Judith Tuluka tokosolola yango na kati ya plateau et nous allons aussi prendre le dossier de Nicolas Kazadi par rapport au détournement et surfacturation parce que ça aussi ça fait couler encre salive bande de koibele bazali koloba mbongo et kei wapi ba fonctionnaire ya l'état ba kolela mosolo ya lité touti kolanda enseignant qui avant ou apprécié bande ko baki na kati yawa alobi mosolo ya li a mingi te pe mosolo mususu moi 3 mois 4 mois mon solo e komona na te bato bazali impayé mais surfacturation détournement na kati ya mboka na biso et keyobe na ministère ya finance comme ça ba bité et ali développement rural et ali finance kasi clarté nango bokomona yango na kati ya plateau na bande koyo tozali na bango na mokolo ali nous allons commencer avec du Jésus bele do surtout yo pena to mona kala tozo beta wa solo ya surfacturation toko betawa ni solo ya détournement bisoba soto yokaki lolengo iko le karabai tando to moni pe communiquer au ministère ya finance asila ki ko salo atie penda à la disposition de tout le monde parce qu'il y a na ba réseaux sociaux et tamboli pe na ba etando nyonso likambo ya installation ya 1000 forages pe likambo ya marché ya ba lampadaire où ils allaient faire couler encre salive moto nyonso ako belela fonctionnaire azuma loba po lobi ya ali payete mais boni boni mbongo ya l'état et ko kene na ba dépenses ba to balobi ezali urgence te po mboka na biso na minute o forage to lampadaire ya l'urgence te mona mboka to bandalise na analyse. Merci beaucoup mamelo po na malobo pesingai na banza ete mbela ore beta maki na plateau ya confrère na plateau na bino wa Israël Mutombo à la suite ya ba investigation na ye et biso total qui encore à la musique et biso pe tant que ba journaliste to loi to gratter to ba makamboni ne ko le kaka côté wana po ezala ki ezambongo ya l'état kanyaka ya l'état 71 millions de dollars o e bimaki po na makambo lo baki wana to ngito e ba mbongo bimaki na tina nini ba sala ki ngoni nini pe mbongo ki wapi tomoni communiqué plus tard il y a ministère ya finance qui pratiquement est confirmé makambo confrère alobaki Israël Mutombo pour dire effectivement kanyaka ebimaki 71 millions de dollars pona kotia comme à compte pona kotia ba forage na ba lampadaire au total 270 forages à travers quelques provinces à Kinshasa na 2600 lampadaires na Kinshasa. Ah, Isaki Bongo, ndio. Lobby lobby ici dans talanda ki conseil moko sous ya ministre ya
y a finance, il y a pas les cas qui n'aient été indiqués, mais pas n'abîmé à te. Oyo a confirmé pratiquement ma camboana. Mais et là où est tikengaï, ils arrivent à chiffre où est pesa makiwana. Effectivement, confirmation est que Mbongo est bimé na poste à l'État 71 millions de dollars. Une autre confirmation a sorti médiatique, je crois, un conseiller Mukendi. Ah, effectivement, Mbongo est bimé et a justifié Père Lobby, effectivement, par forage Johanna, 297 000 dollars et bimaki par forage. Il y a pesa qui va vinaï. Alors, tant qu'on a tali en haut, il s'est dégagé plusieurs analyses et pas dans la moutou. Il y a l'ibosso. Pour nanini, Namakambo et Tali, un domaine aussi technique, Zobe Makamboya, électricité, na l'eau, maï. Koti ya maï, na secteur rural, na ba secteur rural. Parce qu'il faut dire ici que, ba dispositif sonini, ya. Comment on appelle ça? Lampadaire, ténini, forage. Mm. Bah, dispositif, il y a forage, Johanna. Et ça, bah, dispositif, et c'est là qui étient dans le milieu ruraux. Et concernant qui Kinshasa, t'es? Oui, et concernant Kinshasa, mais dans le milieu reculé, au Maya, régie des eaux et Komaraté. Et dans la province, ils ont concerné ma grande ville, Téléti, qui s'engagne. Ils ont concerné, les petits villages, et pas dans la Kuna, dans la Bouta, dans la Zoué. Dans plusieurs territoires. Dans le territoire, mm. Belé, mais ils ont concerné Mingi, le milieu ruraux. Au régime des eaux à Komaraté pour ne pas scoper sa maille. Alors, pour Nanini, ministère de la Finance a porté communication wana. La place y a côté qui est là, les techniciens qui étaient à l'époque le ministère du développement rural, n'a pas gagné qui marchait wana pour nous avons dit décaissé le ministère de la Finance. Marché à Liboso, excusez-moi. Excusez-moi, marché Ali Bosso et Ali, la société qui a justement bénéficié na mongo à 71 millions de dollars qui appartient à monsieur la société Stiver qui appartient à monsieur Kassanda, Mike Kassenga, il revient plutôt à ceux qui ont bénéficié de cet argent, qui est congolais, qui est responsable de la société Stiver. Il revenait à ce monsieur qui a bénéficié de 71 millions de dollars américains décaissés pour la RDC. De nous expliquer, Nengenini, Puimoko, bon, moderne ou pas moderne, Nengenini, Puimoko, ou Forage Moko, bah, bon, Pui, on lui dit, Pui, Eza, idiot, la vraie expression, Anna. Pui, Eza, idiot, bon, on va Forage moderne. Dans la langue, puis ça idiot avec un peu de bon, je vous raconte un détail voilà. Bon, trop plus de temps au Balingala, et c'est que le bateau va au Talabiso va comprendre. Na miracle nini 297 000 dollars et c'est que lié bima pour la cosa la puis mon coto forage moko. Par quel miracle? Bah, il va au Talakabiso, vous allez dans la périphérie à Kinshasa, vous allez la biso. Bah, technicien, au bas au Lanakabiso, en cette matière, il y a bah, puis où il y a forage moderne. Bah, expliquer biso. Na, expérience nini, pour bah, ça la puis moko, et c'est que l'écouter 297 000 dollars. Voilà les bas à l'ibosso. Et 77 millions de dollars, wana, n'a pris, il y a 71 millions de dollars, le quoi la puis mon co, biso to tiède ça dans 7 000 dollars et c'est que sa biso au total 270 puits ou bien forage. Ce qui m'intéresse ici en tant que journaliste, ce n'est pas le droit de réponse du ministère des Finances. Parce qu'il a clarifié avec le ministère des Finances a clarifié avec les chiffres à Soukawa. Le ministre Kazadi a précisé à travers ces gens qui ont communiqué. Je pense qu'ils ont été assez clairs. Et moi, je veux même aller plus loin pour dire au ministre des Finances. Il ne faut pas penser qu'on fait les procès du ministre des Finances lorsqu'on parle justement de ce dossier. Il y a 297 millions de dollars. Au PC, éclaircissement, explication et coquille. Oui, au Congolais, Rosenga Lelo, et Ali, droit de réponse était. Et Ali, point de presse était. Et Ali, ma explication supplémentaire, et ministère et finance était. Mongo déjà Bimaki, oui, ministère de la Finance a dit, Mongo Bimaki. Papa, ministre Nicolas Kazadi, Toyoki, Mongo Bimaki.
Tika sika wa bato bakama taki mbongo ya l'état depuis 2022, notamment la société à Stiver, société Stiver qui appartient à monsieur Mike Kasenga. Ba le kana itando ike, ba ngo bazaki ba bénéficiaire ba prestataire ya service wana. Ba expliquer biso ba congolais. Où sont justement les 270 000 et les 270 forages au Sénégal qui est à la construit na Kinshasa. Cartographie na ngo yali wapi? Deba ya ngo wana. Cartographie à 270 000 forages et Ali Wapi. Mais quand tu vas te renseigner au niveau de la société cet hiver, on vous dira, selon plusieurs sources concordantes, nous ne les confirmons pas, que jusque-là, sur le 270 forages de Sengala qui est Salema, dans Ndambo, Mbongo et Bimakiwana, n'a plus au Batouba Congomène dans le sa facturation. Mais Oebi, combien ça a déjà livré à l'État congolais? Kaka 29. 29 Yapamba. Dans un sûr, et si quand papa Etienne Tshisekedi de Ali, tombe naïe à Zoko, c'est secoué. Pour yen dans un porteur, il y a le peuple d'abord. Le peuple d'abord est Ali social. Kopé sabato maï. Kopé sabato électricité. Yangon est le social. Alors, nenini ni motori ou kakabata, 71 millions de dollars, à l'obi, n'a pris au yot l'obi ou à déplorer. Il y a surfacturation. Kasi-t-il est là? Cartographie, il y a bapouyouana. Et ça, il y a forage wana, et ça encore fournité par les Congolais. Qu'on nous dise combien est salami déjà na Kinshasa, combien salami na Goma, combien salami na Kisangani, combien salami na Bandundu, combien salami na Chopo, combien salami. Et ça, c'est ce que les Congolais attendent. Au lieu de ça, toujours beaucoup trop d'explications. Madame, je pense que ça, c'est un problème sérieux et c'est grito rubelango. Yanné Balé. Italie Mouinda, l'habitant de l'Inga a trouvé un lampadaire. Toujours dans les comptes. Voilà, Mouinda au Batiara. Mouinda au Batiara là-bas. Et Sengela qui était société Selectra, où ils allaient appartenir à sujet Moko malien, je crois, Bachili. Basala Nini, à Kamataki, de la part, il y a gouvernement congolais. Et ce n'est pas moi qui les confirme, c'est les communiqués du ministère, il y a finance. Ils ont signé un contrat, 13 millions de dollars, et à mon moment, l'État et à Bissot ont été décaissés dans l'État congolais. Ma pèse, c'est mon tour. Pour la consala, 2600 lampadaires. 2600 lampadaires dans 4 communes de Kinshasa. Notamment, dans Ngiringiri, na Bumu, je crois une partie à Kalamu, na commune à Bandalungwa. Depuis mon moment, Bima na Kanyaka ya l'État, ça fait aujourd'hui 2 ans. Depuis 2022, Bumi Bima. 10 juin 2022. 10 juin 2022. 13 millions de dollars et Bima. L'élo, Ndeko Mamelo, et ça la passe. Sur le 2600, Mbongo et Bima, kapo matia ba lampadaire, la procédure d'urgence en plus. Procédure d'urgence. Lelo kaka sans la padère de Salema na travers Kinshasa. Mais de Jésus, na kata malobati, hein? So y totali communiqué penza et à ministre et à finance. J'espère que ton signe en la technique a tiré la bisou en haut. L'olenge na point concernant Makamboya lampadaire. En ce qui concerne le marché d'installation des lampadaires dans la ville de Kinshasa, le ministère des Finances a été saisi en date du 10 juin, comme on vient de le dire tout à l'heure, par le gouverneur de la ville province de Kinshasa en vue de solliciter les financements du projet d'acquisition et d'implantation de 2594 kits solaires auprès de la société Solectra pour un montant total de 13 693 000 dollars américains suivant les contrats signés en date du 31 mai 2022. Entre la ville de Kinshasa et la dix sociétés. Ma petite précision, ville de Kinshasa, Azalia, Ngobila, Kotia. Oui. Likambo, il y a forage, construction, il y a 1000 forages. On a pété au moni, car on a kati a communiqué, le lengue ministre à Koloba, estimant que ces prix étaient très élevés. Le ministre des Finances a demandé la révision à la baisse de ses coûts unitaires. C'est ainsi que par sa lettre du 7 avril 2023, le chef de file du dit consortium notifiera le ministre du Développement
rurales, de l'augmentation du nombre de stations à livrer, qui passe désormais de 1000 à 1340, soit un coût unitaire revu à 297 000, une diminution de 34%. Merci. Donc, il a revu à la baisse, non? Yo cité, revoir à la baisse. Vous parlez le mot limo solo à qui? Revoir à la baisse. Ma belle aille à l'île. Tout le monde solo. Yo qui n'a vu sur les colo word français. Le cas là c'est là non. Vous faites la politique dans zone des coco langa aux autres langai. Aux autres kandunda kuna. Quoi ça année? Aux amis les colo ou la word. Qu'est-ce qu'on a fait? N'a qu'il t'a score assez. Pour que vous compreniez le thème français va casser le bio là. Ah oui, Kamboyali nini. Ah oui, Kamboyali. Mbongo ya l'État est bimi. Ministre de la Finance a confirmé qu'il y a un peu de bongo. Nous avons ministre de la Finance qui a été mon panzi. Et il y a un peu de bongo. Mais quand l'État est bimi. Si quand l'État est bimi, c'est quelqu'un qui a été mouinda. Il y a un peu de communicate. Il y a un peu de communicate. Il y a un peu de communicate. Le gouverneur a vu la Kinshasa. La société Selectra, tant qu'il n'a contré pas le ministère de la Finance, il y a une insécurité à la Kinshasa. Koulou na eza makasi na ba commune oyo to kotangawa notamment 1 Bumbu, 2 Makala, 3 Kasavubu, 4 Ngiringiri. Voilà les 4 communes nga na tanga ibandala. Il y a les Bumbu, Makala, Kasavubu na Ngiringiri. Balobi pona kotia lampadaire moko na Kisasa. Esengeli lampadaire moko kutaka $5,000 par lampadaire. Nous avons pas la route 2600, ba sali total et sali 13 millions. Depuis ma soie Kanyaka, et sali lelo près de 3 ans, depuis 2022. Tout ça, 2022 ans. Ce que je tourne dans la langue, c'est que et Seigneur qui bat 2600 lampadaire, tant que ça la émission, la société Selecta, oh, et sali à un sujet malien, bat 100 lampadaires. 100 sur les 2600. Alors que Mbongo est l'état de sur l'état, et ça va Mbongo Nyo sur Basenga. Question si quoi? Pona nini na Bumbu na Ngiringiri botie 2500 lampadaires te. Est-ce que ndeko bachili a wiko lobala biso combien de lampadaires na tie e yangoyo soko tuni kona balobi te ba matériel musu ya lampadaire eza bloqué wapi na port eza na ba conteneur nzoka l'état pesa ki bino bozo te commercial ba pesi bino mbongo nyo so bino lobi te to si sa ki te po ba matériel eza bloqué to se na ki exonération na rechuter par là et ali makambo ya passe. Si mokolo nini bato bakobanda ko saboter action ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ndeko kasenga Mike Kasenga ya Stiver alors bala biso kaka to si déjà confirmation à ministère ya finance $71 million ya baforage lobegi wana ça la biso tableau mbongo ekeyi wapi. Est-ce que botongeli biso 270 forages la Kinshasa et bon prouver biso que forage moko singele coûter $297,000 yango wana sko na yango eloko ka dispositif wana. Alors qu'est-ce que la retourna ministère ya finance atika ko communiquer na place ya ministère ya développement rural bango na ba technicien ya projet wana atika ko communiquer na place ya société Stiver ministre ka sa dia pe manaye a communiquer suffisamment. Atika qu'on se justifie la place ya bato ba bazo ki $13 million monsieur Bachili Samba. Batika bato wana ba ebisa biso makambo ba pesa ki bango ba sala sala mité pour nanini. En plus il faut to suter na suter na wana en totalement. Pour nanini makambo etali par exemple forage ya mai. Na makambo etali kotia ba lampadaire na nzela mbongo esengele bima procédure d'urgence. Ba ko ba ote eza lisu mouté mbongo ba la procédure d'urgence. Mais batuba kota la kabiso bayebi les experts na makamba chaîne de dépenses bayebi il y a des dépenses réservées exclusivement na ba question à souveraineté ya mboka ne sa la makamba mingi ezaka tolérable et bi mana ba dépenses ya urgence mais makambo etali marché public ne mama mamelo makambo etali marché public mais bon le kisango na cour normal. Donc ce n'était pas une nécessité. Pourquoi ça dit urgence? Tant qu'on va bien dire urgence, ça ne passe plus par le circuit normal, il y a la chaîne de dépenses, il y a moins de ministère, il y a budget, n'était pas associé à tout ça. Voilà, merci. Il y a moins de ministère à budget. Il y a des Sénégalais qui ont jugé régularité. Il y a un contrat. Azaki associé. Voilà, merci. Y a Bablo Rwana. Et en plus, c'est l'eau ça la passe, pardon. Et l'eau ça la passe, il va casser Zanini. Est-ce que vous voyez que la ministre Tolo Bawa, l'État congolais Ali Nyong'o, il y a régie des eaux, il y a près de $100 millions
100 millions de dollars. Merci. Est-ce que marché wana merci le gouvernement de régime sauté. Merci. C'est une structure habilité compétent. Il y a aussi la mission de l'Ouana. Pourquoi on n'a pas recueilli la vie de la régie des voilà. Et surtout, voilà, mais on donne ça aux gens. Merci. Pour que le loto à la merci situation. Prince Pengue, cette histoire, il y a fourrage. Habité, mboka na biso na kala to agi pe na makambo te to agi komela ma ya régie des eaux ma mosusu ba ko ke na rivière ba to ba province c'est vrai le lot développement yé ba sa la construction ya ba forage na ba territoire congolais mosusu y compris ville province ya Kinshasa mais tala likambo na habité to kubenga ngo ya passe ya mawa pour to moni pe ministère ya finance a présenté communiqué na ezaki signé et pas dire kabnaé. Le lenge penza s'est justifié à Pessi Penza chiffre par chiffre na le lenge ye à revoir à la baisse montant yo bango ba kotisier la kiye kasiye a kitisi yango Prince Pengue Mamelo ebele ya ba congolais oyo balobaka ete balinga ya Congo balinga ya Congo en réalité te. Lelo biso banse toko kondane kaone nanga. Ubi kaone nanga zima ndoki puna kubundisa Congo. Amuni na bandaku na ye awa ba botolie, ba tuba koti na ba piscine na ye, ba buaki bloko wa salite, ba buki ba yibi ba kiti ya kaone nanga. Ma realite tana ba kaone nanga ebele na gouvernement. De la même manière, lelo monsieur Kadima ya CENI aza différent na kono nangate. Monsieur Kamule ta ku konsonel a différent na kono nangate. Comment Prince Pengue? De la même manière ba acte oza ko za posé na ministère finance aza différent na kono nangate. En fait, chacun aza l'ennemi à Congo mais là où il est dans son domaine, dans son secteur. Il y a aussi des journalistes au bazar équivalent ya kono nanga kaka na moment to oyo to ayer je salue courage ya de kobele du o azali membre ya régime mais à la vérité et ça c'est le patriotisme je comprends maintenant que il recouvre tout à coup capacité de défendre la république ndé na ibelaki et bravo à lui parce qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Madame, parlons d'abord du Kamboya procédure de Kobele doit rappeler en juste titre. Nous étions en 2022. Monsieur Nyembo, directeur du cabinet Félix Tshisekedi, a signé un contrat à 58 millions de dollars de gré à gré pour renouveler le chariot automobile à la présidence. Observatoire des dépenses publiques, et Nabouane, je me suis dénoncé en gros. Alobi esengela ikolekana procédure esengeli. Obi mbongo ya l'état. Ba dépenser ngo ko mbongo na omokote ngai epenga na koza la mwa 1000 dollars na pocha. Na ko dépenser même moi ngai ya mokobwe na ndako na pe apena ba dbako tuna ba otanga papa mais pourquoi dépenser mbongo boy. Mais ya l'état ni bekwese lobi lo lengeli mbongo ya l'état esengeli salama. O ba bengi chaîne ya la ya dépenses publiques. Le lendemain, il s'est dans le ministère et budget. Le lendemain, il s'est le ministère et finance. Avant, comment est-ce que vous avez fait ou la banque centrale? Pour le lendemain, il va chercher les dépenses. Pour à chaque étape, bateau va aller à la payer par l'État. Pour nous surveiller, le lendemain, il va aller à l'État dépenser. Bateau à ceux qui dépensent, oui, madame. Pour le ministère et budget, il va aller à la banque. Pour nous, nous avons dit que nous avons papier. Monsieur, comme le ministère de la Finance, il y a un côté à vérifier. Et c'est conformité à ce qui est réalité, il y a bloqué. Mais quand on appelle comme la banque centrale, je ne peux pas aller à la foutre au peuple, je ne peux pas aller à la mbongo mingi ya l'État. Je peux vous dire même 90% mbongo à l'État et sengele la chaîne wana ya dépense. Mais depuis Félix Tshisekedi a commis mon cause en Boka Oyo, observatoire et dépenses publiques à l'Obaka Yango. Plus de 60% en falanga l'État et Baïko Bimana la procédure d'urgence. Pe
coïncidence, il y a besoin en bongo. Bah, l'ouké l'ango parachute. Voilà, vous parapetez mes parachutes. Bah, tchesso de mouton. Bah, l'équipe ministère de la finance. Bah, l'équipe ministère de la budget. Bah, la moko. Mbongo bimi na banque centrale. 70%, 60% va dépenser le système de la présidence. Et que ça me rend dégoûtant. Urgence. Président lobby. Président lobby. Président a besoin à boy. Pona nini. Banganga maye lo basami beko batia chaîne ya dépense et lokal boso yango yiwana mais la même loi reconnaît ba de caractère musu sur ba dépense sur sengeli nature ba dépense sur sengeli sama en urgence ba dépense sur sengeli to sa o ba bengi appel d'offre te lokola koso mandoki boy ko sa appel d'offre te moi j'ai travaillé dans une société publicitaire. Avec la société de Kola Bayanjen, à l'époque, na Chaloupa, j'ai parté pour soumettre ma offre à la société de Plexilite. Pour 60 000 dollars, 70 000 dollars, j'entendais pendant un mois, deux mois. J'ai parté pour ça la démonstration, la produit, on a confié la société. Et nous étions là, peut-être 20 soumissionnaires, on entendait, on regardait, on déposait nos produits, et on nous appelait, chacun venait. Moi, j'étais là, je disais à Chaloupa, j'ai parti défendre nos produits. J'étais là pendant deux jours où je défendais la qualité du produit. La qualité, la prix, c'est mon la qualité, c'est à Malamou, et puis c'est à Malamou, vas-y, offre la biseau. Mais, oyo, mais, oyo, toi, comment on a l'élo sous Félix Tshisekedi, on n'a jamais vu ça. Dépense oyo tu ko sa malelo ya ba minda dépense oyo ba forage en quoi et ali et ko répondre na caractère moko secret to urgent babi ana catégorie ba dépense ya militaire oyo ki ko le canapé d'offre été oyo ko sa ko publicité na télévision té. Mais on y a salami dans le ministère du développement rural pour le retard forage, pour le retard minda. Et exactement, nature, il y a des dépenses. Il y a un salaire singulier qui est un appel d'offres. Pour le retard, la société n'a pas une expertise. On y a ça comme ça, le forage. Bouya. Appel d'offres, salami. Bouya, on concourir. Bouya, on soumettre ma projet de la bino. Pour la nini, ma visa kamingi, l'État, c'est l'économie. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans le marketing, la concurrence bénéficie souvent aux clients. L'étendard est le client. Tant que vous êtes 10 sociétés, 10 sociétés, vous avez 10 offres différentes. Et l'État, vous avez un chantage. Vous avez le meilleur forage possible dans un meilleur prix possible. C'est comme ça que vous avez un appel d'offres. Pour l'État, dépasser mon remoqué. Il y a un forage. Comment vous avez fait sans appel d'offres? Et puis, le ministre de la Finance a beaucoup de courage. Naïe. Mais oui, que, enfin, il faut être congolais pour accepter ça. 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 Il faut être congolais pour vous êtes politicien aussi, en dehors des journalistes. Yeba été épinglé lorsque qui n'a ministre Nazali président de la République. Au ministère des Finances, on ne met pas n'importe qui. C'est très stratégique le ministère des Finances. Très souvent, matière le ministre des Finances, soit Moutou a une expertise très élevée, mais Moutou a la confiance suffisamment naïe. Monsieur, comme il s'appelle déjà encore au hasard ministère des Finances. Kazadi, Nicolas. Pour ma Kazadi Baleke Bele. C'est l'ami personnel de Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi, c'est l'ami personnel de Félix Tshisekedi. Donc, ceux qui Azako Sala Kosala, Félix est au courant. Vous êtes sûr, Epengé? Maman. Kozala, Moulinga, ya Tshiseke, Dinde, Laxiko, Sala, tout ce que vous voulez pour le état de droit. Je vous dis qu'on ne met pas n'importe quel ministère des Finances. Tala, Djoma et Faye, Massa, on a tout gagné l'élection de Sénégal. Et ça, Moutou, Yoyebi. Tala,
Voilà ma com, on t'a tiré le ministère des Finances. Mais non, le ministère des Finances, tu vas tirer à la porte de quitter. D'abord, hey, on retient mon tour, et puis qu'un gars, il président, ce qui est dans le Kalikonda, à quoi mis ça va facilement. Président, tu as comme ministre des Finances, mon tour, et puis que ce que le président a besoin de 10 millions, à quoi mis ça va même boutou boutou. Donc, vous n'allez pas me dire que Félix, c'est que dit, à ça qu'il n'y aurait pas justement, il y a qu'à ça dit. Il est au courant. Maintenant, revenons maintenant de Balobaka. Tous ont là, maman Likambo. Là, tu connais Likambo procédure. Contrat à forage, il faut salama. Na, quand tu as nature à contrat, il faut les canadiens appel d'offres. C'est-à-dire que ma compagnie Nyonso, par exemple, ça la forage na Congo, et c'est une base au courant qu'un bagot signé contrairement au pona que ça va forage. Comme ça, chaque compagnie a été capable de ça l'angon na meilleur prix aya. Meilleure façon de protéger l'État angolais. T'as au cas de Daza Koloba. Mais tu sais que quand ça dit normalement devait être prison en ce moment. Quand ça dit vous dit quoi? Parce que là, il y a pas tombé dans le piège là. Alors bio, na tangi communiqué hier. Mais mon au côté de on tombé dans le piège là. Alors bio, parce que à économiser un bon dans l'État pour à réduire. C'est vrai que ça m'a combien? C'est vrai que ça m'a 1000 forages. Y est à comme si en gros 1340. Non. La meilleure manière de protéger l'argent de l'État, c'est de suivre la procédure qui a été déjà faite. Avant même que ça d'ailleurs, la procédure existait. De passer par un appel d'offres. Parce que, comme je vous l'ai dit, appel d'offres est garanti. Ça a été un. L'État a choisi l'offre belle. Parmi les 1000 offres qu'il y a, l'État a choisi l'offre à Malamo. Offre à Malamo en termes de qualité, puis offre à Malamo en termes de prix. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans ma Kambago Saraba, d'offres Wana, et puis je sais de quoi je parle. Donc c'est là où l'État devait faire l'économie. Parce que ce gars qui n'a pas d'offres, il y a des gens qui ont la prix dans ce matin. C'est pendant la paix d'offres qu'on ont la prix. Parce que si les 20 sociétés arrivent pour dire qu'elles sont prêtes à faire les forages, chaque société a quoi une offre naïe. Au moment où il y a le bi forage, il y en a 10 000. Où il y a le bi forage, il y en a 20 000. Où il y a le bi forage, il y en a 50 000. Au Koloba, où il y a 10 000 au total. Mais si on t'a 10 000 pieds à Malamo, on t'a appelé qualité naïe. Parce que vous appelez 10 000, mais qualité à Mabé. C'est-à-dire, on t'a la qualité, la quantité, la prix. C'est là où c'est par la paix d'offres qu'on fait des économies pour l'État, qu'on protège l'argent de l'État. Pas, quand ça dit notre bureau naïe, négocie en privé et nous dit, oh, j'ai économisé. Qui nous prouve qu'il a économisé? Menteur. Ça, c'est la procédure qui n'a pas été suivie. Donc, il n'y avait pas un caractère, il gêne à ce dossier. J'ai fini là. Mettons maintenant, puis il y a forage. Estimé dans notre investigation, il y a sali. On nous parle pour des idiots. Le régime de Félix, c'est que tu parles congolais pour des cons. Yeah, mais ils n'ont pas tort. Parce que les Congolais, tous les peuples, sont trop passifs, trop permissifs, trop négligents. Et bien là, les Congolais, ils comprennent de l'autre côté. C'est pourquoi ils pigeonnent chaque jour par des gens. Comme au salabé. Maman, prix à forage moyen, prix moyen à forage à 8000 dollars. Et il y a Allah Mungafoule, il y a des forages. Tout le monde devait 6000. Oui, meilleure qualité. Vous savez comment faire le prix à forage? Je suis prêt à vous amener un expert. Demain ici, Bengano et Pengen, à Dede Congo, on a des experts, la partie de la Dede Congo, en forage. Prix à forage, et dépend de la topologie et l'endroit. Par exemple, forage va commencer à la Mongafula. Il y a une différence dans la Mongafula. Kingaba. Kingaba peut mener à fleuve Congo. Ils ont un plat. Hein, et tout ça. Mais ceux qui vont trouver la montagne, ça prend en compte. Ils vont augmenter le prix. Ils ont fait. Il dépend de la profondeur. Et alors, quand vous voyez, au Timoli, à 20 mètres déjà, moi, je vais aller. Mais quand tu m'as pas au Moni, parce que au Moni, il y a une nappe phréatique. Différents couches stratoana, ils appellent la quantité à maille. Moni, sans le cas où maille assez sous ma casse, et que ça peut prier à forage. Voyez-vous donc, monsieur, c'est au cause de maille à malonga à 20 mètres, monsieur, c'est au cause de maille à malonga à 60 mètres, monsieur, c'est au cause de maille à malonga à 80 mètres et 100 mètres. Et donc, plus vous descendez, plus le prix augmente. Mais, ce qu'on descendait au kitty sous ma casse, dans la 50 mètres, 60 mètres,
couler là bas 8 000 dollars. Mais indépendamment de la période, il y a des désertiques, le coup là bas Sénégal, le coup là bas Kenya, wana, bah pays wana peut coco, bah monsieur qui t'attire à 150 mètres, 200 mètres, là encore le prix augmente. Mais maman, il faut commenter n'a plus à forage, n'a bas 50, 60 000 dollars. Impossible. Avec 8 000 dollars, on fait des forages à Mongafula. À Kinshasa ici, 8 000 dollars, on fait des forages à Mongafula. Bon, bango va bien tomber en repuité. Bisombo. Bango va savana va lunette na bango. Si tu veux en repuité. Pour maman qui n'a pas de repuité, elle va bien en repuité. La station de traitement d'eau et régime des eaux, elle va bah bah ben ngo toi toi bah facile facile c'est bien à mon prix bah bah bien à mon forage mais c'est la même chose à toi qui t'es si ngo au tindi bah produit chimique bah tindi rapport à retraiter maï pour là bas qu'on canaliser ici d'ailleurs très souvent ce qui l'État l'ingasse ça parce à moins que l'État l'inga qu'on dépasse mon roaming l'État peut acheter ses propres machines à la forêt. Il y a des Congolais ici dans ce pays qui font des forages avec des machines à Bango Moko avec 8 000 dollars. Maman, c'est le forage à Kitoko. Maïpé à Kitoko. Namonga Fura les Ali. Côté à Sela et Ali. Côté à Malouku et Ali. Aucun abandon n'a pas de nom. Un forage à Bébo. Isako Salam. Je ne comprends pas. Il faut chuter. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que M. Kazadi nous explique. Que forage Moko et Zui 277 000 dollars. 297. 297 000 dollars. Mais c'est un forage, ils allaient faire pour les anges au ciel. C'est dans quel pays on fait un forage à 297 000 dollars? C'est-à-dire que Zui prix moyen à 8 000 dollars, lui, il le fait à 297 000 dollars. Est-ce que tu peux faire proportion? C'est combien de pourcents? La différence. 500%. Comment peut-on, Moutoua Lobi a fait gagner l'argent à l'État? Comment c'est possible qu'on arrive à cela? Je vous garantis, chez moi, à Lodia, il y a des gens qui ont fait de forage. Il y a bien un maire qui toko, na 8 000 dollars. Forage, je vais te dire, qui dit, na 50 mètres, na 60 mètres, à 8 000 dollars, 9 000 dollars. Comment, M. Kazadi a sali forage, il faut qu'on descende à 9 000 dollars. Après, Balobio, nous allons corriger les erreurs du passé. Comment on peut corriger une telle erreur? De 8 000 dollars, prix moyen à forage, à 297 000 dollars. Comment corriger une telle erreur? Ce n'est pas une erreur. C'est une faute de gestion, pour ne pas dire une escroquerie d'État. Voilà. Merci. Et Nakusuka Mama, Naibi Kolingo, Katana, pour Boyina, la vérité. Ma vérité était. Ici, pour Nakusuka sa maman, l'argent doit rentrer dans la caisse de l'État. Si Félix Tshisekedi n'intervient pas personnellement à cette affaire, nous avons le droit, bien sûr, la Canada de corrompre à la Mouka, de ne pas le prendre responsable. Parce que son ministre des Finances, c'est son homme de confiance. Il doit nous dire comment est-ce que Forage Moko et Samara a 8 000 dollars, ministre de la Finance a 297 000 dollars. Félix doit nous expliquer cela. Et yo, lingi ba Congolais, ba ko souffrir le maman. Ba entendre quelque chose dans le ministère de la Finance. Tous les agents de l'État, ce moment, ne sont pas payés. Non, on n'a pas retraité ba ko fwa na nzala. Les retraités, on a plus de 1993 retraités, on a pas beaucoup fait dans ça. Mais bien, on a fait ça, on a retraité réalité. Ok, il n'a pas ministère, toi, les gens sont payés. Les fonctionnaires, salaire, les banques, ils ont dit que l'humain, ils ont dit que l'humain, ils ont dit que les professeurs d'université ne voient absolument pas grand chose. Transco, les gens ont beaucoup fait à Boyer. Même le cabinet, Transco est fonctionnaire réalité. Mais le ministre des Finances, bon, il n'a pas la procédure d'urgence. Pour la bloc, comme Zangatina, pour la foutre même bateau d'être intérieur, il n'avait pas payé. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que Balampade, Balobi Bumbu, Balobi Makala, Balobi Ngiringiri, Kasavubu, Ngaï Biro, Ngaï Adé de Congo, et à Kasavubu. Même si on a Avenini, même si on a Avenini, à Kasavubu, vous allez éclairer. Est-ce que c'est comme ça, Bumbu? Tout d'abord, Bumbu, à côté de la Moutoukate. Makala bakota la mutukate. Ce ne sont pas des communes. Ce sont des secteurs. Donc, niveau de vie à Zakuna, même état Banzela,
il faut que le secteur peut-être à Bongana dans mon dengwa, il faut que na mia bipo mon dans zéro dengwa et de la bumbu. Mais na kata ça. Dites, est-ce que nous au min de la bumbu et à la makala? On va mis en bongo le min de réalité. Donc pour vous dire que maman, on n'aime pas ces pays. Voilà. Et ce sont des intellectuels, merci, comme on le dit, de haute facture, mais qui se permettent à décaisser l'argent. On nous a dit l'homme de la rigueur, Félix l'a nommé, pasteur Koussa Makamalam, mais encore une fois, j'ai joué ma voix dans Oya Ndeko Beledou, au moins pour la première fois, dans mon état commis patriote. Alors, après ce que la mouka raison d'autre baka n'a été réjoui, Félix, tu sais que dit, et Koussa et Luka Malongate, monsieur Mike Kasenga, Oyo Azwaki Mfalanga Yabana Congo. Il va s'expliquer. Au contraire, le ministre des Finances n'a pas à se défendre. Lui, il a décaissé si base à Mikanda. Oyo à Monaki. On suppose que lui, il a rempli sa part de responsabilité. Si base à l'élément OP, la table n'a pas à justifier. Mais entreprise gagne qui. Marché. Marché. A qu'expliquer Bissot. Où a été l'IGF pour voir tout ça? Parce que l'IGF nous dit qu'il y a commis gendarme et tout ça. Comment autant d'argent peut sortir de la caisse de l'État pour nous avoir Moussa et Samité? Mais avec mes cas, il y a pris, il y a marché, il n'a pu supposer, il n'a pu fabriquer, il y a l'ingouana. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Donc on dit même 10%, il y a ICA, 20%, mais pas jusqu'à 10 000%. Merci, il y a ces facturations. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Merci. Tosengi, dirigeance, affaires à clarifier. Malheureusement, ça commence toujours comme ça. Tout le monde dénonce. Et à un moment donné, ça va passer. On va mettre de la vaseline pour que cette affaire passe et ça va passer. Ça a toujours été comme ça. Les erreurs du passé vont se répéter. Il n'y aura absolument donc rien. Donc, pour vous, le dossier va passer sous silence. Madame Judith, la première ministre visible, Félix Atchilibiso, ne va pas nous dire parce qu'elle, comme ministre du plan, vous savez que dans les conceptions du programme de développement, oui, voilà, ministère du plan, la conception du programme de développement, la ministre d'État que Madame Judith était, aurait dû être au courant également, Mme Kambou. Voilà, merci. Et donc, Mme Judith aussi va nous dire, ça n'a pas de responsabilité dans cette affaire-là, parce qu'elle ne va pas nous dire que, parce que vous savez, comme ministre du Plan, elle avait une responsabilité, je dirais, une vision panoramique, si conceptuelle, exécution, projet de développement. Vous voyez, Mme Judith a participé à qui ? La supervision au programme à 145 territoires, le programme à tirer gelou. Madame Judith également devait être au courant également. Il y a concepté un programme à la forage et tout ça. Okay. Est-ce qu'elle était au courant de la facturation? Merci beaucoup. Nous, merci tous, va se savoir. Parce qu'il y a des courants écotiques et le commogoté. Voilà. Pour démontrer que le régime a fait ce qu'il dit, et Zali régime, on s'en fout la souffrance du peuple. Voilà. Merci beaucoup, Epengi. D'où Jésus Belédou. Epengi Alobi. Une part, ils allient mauvaise gestion et à président de la République. Kazadi, c'est son ami. Kazadi, Assel Moussala Nae, il y a des questions. C'est le monsieur qu'on doit suivre, mais ministère, il y a développement rural. Oye Kambama qui est pas à Ubota, Yende, marché qui est pas à Inaye, et Kazadi. À Salika Kamoussala, il y a des questions parce qu'il y a le ministère, il y a finance. IGF à Kiwapi. Nous allons lire un point ici dans le communiqué parce que et Pengalobi, ngana ko kote le mengana ko tangobe communiqué. Le ministre des Finances a pris soin d'ouvrir un compte séquestre auprès d'une banque commerciale de la place où tous les fonds ont été logés sous la surveillance de l'Inspection Générale des Finances, IGF, selon les prescrits du contrat, du montant devrait se payer à travers l'ouverture d'une lettre de crédit. Voilà, il y a un bon goni. Il y a la moto, il y a 71 millions, il y a 13 millions. Autant qu'il communiqué à Yanini, Moi, je suis très bien.
y a ba prince pengi bazo pesa ba prince pengi raison ba lo ba makambo bazo lo ba wana ya mauvaise gouvernance. C'est des gens comme ça qui se permettent de jeter pratiquement l'argent du trésor public par la fenêtre. Oyebi procédure ya mobilisation ya recette ya mboka tout na ba financier nyoso ba économiste ma professeur d'université Bola Ndabiso. Ce n'est pas une procédure facile dans un contexte ya Congo. Pour la mobiliser mbongo ya capacité, ya ngomba financer nyoso, ba kabo na la facilité. Attends, mais pensa ya mbongo financer a rolandé là. Financer ça la détail, c'est ça les financiers. Et financer sengeli ya yeba. Que makambo tali marché public. Na ko le kana procédure d'urgence té. Bon, il faut la faire participer liquidation à Makamboyo. Il faut la faire participer ministère à budget, à l'expert, naïkuna. Un, ministère à budget, il faut attendre. Est-ce que le marché est régulier? Deux, est-ce que Mbongo on a robimi ça? Surfacturation est athée. Na liquidation, avant batine de Makambokuna. Et Sengeli, chaîne à dépenser salement. Et Sengeli, DGCMP. Bon, on a l'anda qui, conseiller ministre de la finance, on a DGCMP qui impliqué. Ça, ce sont ces mots, nous prenons acte. Mais il faut, sur le plan de la logique, ceux qui ont la chaîne, il y a des penses, et c'est que je ne sais pas. Mais, tout ce qui est dans la procédure d'urgence, nous sommes dans la procédure d'urgence, et ça va être dans trois procédures. 20 millions, 20 millions, 20 millions de tout ce qui est. La procédure, nous sommes dans la procédure d'urgence. Si quand on a tout une question, quelle est l'urgence, l'élan? Tant que tu as dit que bon, on a dit mal à 2022. Bon, pas d'urgence, c'est ça? Oui, tout le monde a dit qu'il y avait urgence. Conseiller ministre, il y a l'objet, mais nous pensons que la marabout est sécurité, c'est urgence. Parce que vous m'avez dit la bumbu, la bangiringue, pas la moulili. Il faudrait mettre ça dans mouinda. Et c'est urgence. Oui, tu as dit que c'est urgent. Vous êtes d'accord, c'est une urgence? Ok, merci monsieur, c'est une urgence. Sikawa, bon, comment tu as dit qu'à l'état de 2022, c'est urgence. Pour nani ni lelo, tout à la 2024. Ma conteneur est à la cour à Liban, on a lampadaire. Mais bon, ça qui est un bon moment, pour bon moment. Mais les lots, pour une bonne urgence, c'est ça le sous-souté. Moui dans le zéla et ça. Est-ce que M. Samba Bachili peut nous dire, vous avez reçu 13 millions de dollars, où sont les lampadaires? Oh, c'est un gars qui est en mode d'urgence. Pour moi, il est en mode d'urgence. Est-ce que nous avons reçu l'urgence sur les aïeux, Tindami, le bon et Tindami, la front? Ceux qui sont souvent qui sont dans la n'a pas la makasi. Je suis l'homme le plus heureux. Et c'est l'homme qui est en urgence. Mais dans ma camboyo, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, chaque jour la TV, vous faites ce lit de ces gens, de ces compatriotes qui pensent que c'est Félix Tshisekedi qui tolère tout ça. Pour la nini, parce que c'est craché sur l'état des droits. État des droits, le social, Tshisekedi a été élu sur base, il y a peuple d'abord. Peuple d'abord, il y a ici Nini. Peuple d'abord, il y a ici Maïe, ça a l'électricité, ça a. Si quand on a tout le monde, on a tout le monde, on a tout le monde, 100 millions d'âmes, il y a des Congolais, il y a habité. 100 millions d'âmes, il y a des Congolais, il y a habité. Bangonde, il y a habité. Que l'ampadé, forage, il y a 297 millions de dollars. Mais pour moi, je vous ai dit, habite, non, vous savez, systématiquement, français, il y a ma nette, ma cravate, il y a la latiboué. Pour moi, ça va, maman, la biseau, la cosa, la biseau, la jeune, la biseau, la biseau, la biseau, la partie, il y a Samboka. Non, vous savez, systématiquement, un forage, c'est 297 000, parce que lorsque vous évaluez, il y a une distension, tout ça, et tout ça. Pour moi, ça, la liboulou, moko, pui, et elle est pui, bon, parce que ça, je suis tombé en. Mais est-ce que vous avez été pressé pour vous dire que la mission Mogo, Ostiver à Sali, et sur les réseaux sociaux, vous avez été la mission Batala. Vous avez été béton, vous avez été béton, vous avez été béton, dispositif solaire pour les gens qui sont dans village, pour courir à la rater, pour les pomper maï, dans le dispositif pour les gens qui sont dans la maï. Vous avez été expliqué. Nous, on parle avec des techniciens, il y a Batoua à la paix. Impossible que vous facturez l'or au Moro, ça sera 7 000, 8 000 dollars. Ça ne peut même pas dépenser 20 000 dollars. Vous facturez à 297 millions de dollars. Et Batoba le batte, c'est idiot. Et qu'on s'est dit, Batoba le batte, ça les boules, les appuis, c'est idiot. Et il dit ça à la télé. Bon, on va tata à moto. A tiens à Kazakh. Ton le batte. Bon, on va. Alors, bon, il s'abissou. Monsieur Mike Kassa, Mike
Kasenga. Libulu oyo ya pui bosali, appelez ça comme vous voulez. Pour bato ba kota la biso ba comprendre. Bo bosali pui. Oyo bosali wana e ali wapi na kisasa. Et c'est que bon livré dans l'état congolais 270 forages. Combien est ali pour les la TV bon ibisabiso avec les images à l'appui. Pour plus sabiso ba élément quand le ministère du développement rural nous amène une topographie, une cartographie des réalisations pour bon ya l'état ennemi. Ceux qui m'ont l'été et demi, Lolo, vous continuez dans ma justification, je vous dis, et commis détournement comme vous. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. 241 chiffres, on a l'okouta. Mais 241, on est à Wap. Est-ce pas ici cartographie? Vous savez, il ne faut pas faire des déclarations comme à l'église. Il faut amener des éléments de preuve. Où sont ces forages? Ce moment 241. Ok, mais est-ce que là, tout la question. Est-ce qu'il revient au ministère? Là, tout la question. Là, tout la question. Est-ce qu'il revient au ministère des Finances de communiquer sur la livraison depuis le travail qui a été exécuté par les techniciens, ministère des Affaires Rurales, Stiver, Yabai Kasenga, Nayaba Chili? Est-ce qu'il revient au ministère des Finances? Mon salaire, ministère des Finances, c'est ça, c'est ça qui va livrer qui. C'est même risquant qu'un conseiller prenne les risques, un conseiller du ministre des Finances prenne les risques de dire qu'il va livrer déjà 241. Est-ce qu'il peut assumer ce qu'il dit? Est-ce que Nicolas Kassadi est d'accord avec lui? Est-ce qu'il n'expose pas son ministre? Est-ce qu'il revient au ministère des Finances de communiquer sur ce qui a été livré? Et qu'est-ce qu'on va faire des ministères sectoriels? C'est ça le problème avec ce pays. Seigneur, qui la TV, tout ça, il y a un problème à Mitouka. Tu vois, par exemple, à Charoua. Tout le la boue, Moutouka, il y a un Charoua à Mitouka, il y a un grand frère et il y a un ministre de la Finance. Il y a un contrat, il y a un contrat, il y a un contrat. On a entendu parler de ce genre de choses. Il faut que le ministère des Finances arrête d'être omniprésent. Vous liquidez, vous libérez de l'argent, vous êtes là jusqu'à justifier. Moi, on a mis ça, il y a un téléphone, il y a 10 000 francs, beaucoup aussi, téléphone, il y a 10 000 francs. Téléphone, il y a 10 000 francs. Montokou, dans une banque, il y a un téléphone, il y a un téléphone, il y a un téléphone. Allez, le bilan, il y a un téléphone de 10 000 francs, téléphone de 200 millions. Et ça, bon, 200 millions. Mais bon, tout le monde, on peut se dire, on peut se dire, on peut se dire, il y a un guise sur roche. Les fonds ont été logés sous la surveillance de l'inspection générale alors, des finances. Alors, il faut maintenant que l'IGF communique. Si le ministère des Finances cite l'inspection générale des finances, l'IGF va communiquer à son temps. Mais suivons maintenant la logique des choses. Bon, le bien, il y a une procédure d'urgence. Ce qui m'a la procédure d'urgence, même le contrôle a priori de l'IGF n'a pas un œil regardant sur ça. Tu vois maintenant la contradiction à communiquer. Pour moi, il y a la condamnation de service d'urgence, la procédure d'urgence. Il n'y a pas de contrôle. Il y a aussi la procédure d'urgence. Et l'équipe escamoté ma inspecteur général, contrôle il y a ma inspecteur général de l'IGF. Escamoté ministère, mon budget. Budget, ministère à budget. Escamoté ma institution, baléoana, mon webimi. Tout ça, on a une expérience au moins dans ces pays avec le procès 100 jours. Il y a quand l'IGF à côté, on attend, on va essayer la liquidation, on a ordonnance, la procédure d'urgence. On va dire, on va attaquer, on va l'IGF. Et je me rends compte qu'on a négligé la responsabilité de l'IGF. L'IGF a le contrôle a priori et a posteriori. Et la dépense publique doit suivre la chaîne des dépenses. L'IGF a l'année, la moussane est en Gouana. A zo l'année là, beaucoup m'étaient appuyés. Ah, ok, wap. Déjà, c'est pas contre en bois. Ah, ça gagne. Ce qu'on vient de ma procédure d'urgence, urgence. Bon, escamoté, IGF, bon, escamoté, ministère à budget. Mais vous nous dites dans un communiqué que l'IGF est cité. Alors, puisque l'IGF est cité, peut-être qu'il y aura des enquêtes qui vont se suivre demain. Mais logiquement, cet argument, ça se voit que ça ne tient pas debout parce que tout a été fait pour escamoter. Il faut conclure avec ces dossiers. Alors que Nicolas Kazadi Balobi a sali Moussala Moko Yali vraiment exceptionnel dans le gouvernement Yassa Maloukoni. Moukolo Nzamba, on le regarde à TV, on le regarde à Nzambé. Il a mené des réformes, Nicolas. Moutou Nzamba, on le regarde à TV, on le regarde à Nzambé. Nagou Nzambé, donc, on le regarde à Nzambé. Nzambé, on le vu par sa puissance, par sa manifestation. C'est comme ça qu'on vit Dieu. Ah! On a dit, Mamel, on l'a dit, et on a dit, Mamel, on coupe ici Nzambé. Umuni mbule beti okumisi nzambe. Nzambe yoan. Nzambe tuza na sechere sa mikulo ba mdu ndezo bo tate. Mbule beti. Ah nzamba za mounene. Mais yomo ko le kyo bi, je suis le meilleur. Je suis bien. Alors que biso to ebi ke yomo ko bo lobi 71 millions de dollars et bimi. Alors, laissons le ministre tranquille, il a déjà fait sa part. Un jour, l'histoire le jugera s'il avait mal agi ou pas.
quant à ceux, mais tout ce que nous sommes au Congo, les Tolingi, pour les Bissau, Mouinda au Botier à Boum, Bala Boum, Bissau, Bissau la politique. Mouinda Nini Oyo, Batien à Boumbou, Ata 1000 lampadaires, au Boumbou, comme éclairer le lot. Bon, comme la Bissau, attends ma message, Botier la Bissau, ma photo. Bon, il Bissau, Bala Niringiri. Bah, lampadaire, oh, bah, oui, bah, tchèli, bilo, sur les 2600 ans, la mongue, bima, 13 millions de dollars. Et ali, côté, nini. Et ça, y'en a boum, bou, côté, nini, n'en guingui, côté. Bah, na, kassafoubou. Kassafou, côté, comment, mou, lila, pas ça, 18 ans, kassafou, mais comment, le roi, deuxième monde. Mou, lili. Lampadaire public, en gros, bah, tchèli, sur la kassafoubou. Et à la rawapi. Bah, tu, bah, on a la ramisson, la sayo. Sayo. Bah, tchèli, la palais, la sika. Parce que, bah, tu, bah, sali, na, rompe, qui m'pwanza. Est-ce que, soroke, moi, kandakanda, moi, nini. Bon, ibi, sabiso, lampadaire, ouane, ali, wapi. Makala, n'en parlons pas, arrêtez de cracher sur les Congolais. Aidez le chef de l'État. Je pense que Tshisekedi Étienne est en train de se secouer sur sa tombe lorsqu'il entend ce genre de scandale. Et plus grave encore, est-ce que vous savez qu'une société dont est responsable à Zumbo, il y a Makamutuzo déploré, Moussa Kangaye, Kakala Makamouya l'État, après ce Tokanzela, Otonginzela Malamouti. C'est là qu'on boucle. Mouze a kangi. Na makala. Quelques années après, il y a une mutation entre autant à combo naé, na bas scandale. Mais il n'y a sacré pas la moussale. Mais le problème, c'est ça. Il faut, il y a un lobby. Il n'y a sacré la moussale. Entre les pour et les contre, ici on parle du social. Toujours de la sociale en boca. Il faut que tu baies baguer. Bah, tu n'as pas le vous savez, un lampadaire, c'est stratégiquement 5000 dollars parce que vous trouvez dans la veste, ça fonctionne. Bah, je dupe ma commune. Voilà, merci beaucoup. C'est une vérité. Bon, on a été bimis et belé ma million. Et c'est qui est habité. Nous sommes le premier pays à aller commander par le système des Nations Unies, ma paix, aide financière pour tout, pour ma, tante, y a bateau, bah, dans la zone de guerre, dans l'Est. Tout ça, c'est une aide financière pour ma tout, l'IA, dans la guerre. Et nous sommes à l'Est, à Goma, etc. On tend la main pour demander 20 millions, 5 millions, 10 millions. Et lorsque la Chine nous donne 20 millions, c'est avec pompe, on passe à la télé, bah, le bien, nous. Lorsque les États-Unis nous donnent 20 millions, 30 millions, c'est avec pompe à la télé qu'il va les annoncer en nous. Mais nous-mêmes, lorsqu'on mobilise les recettes, il y a des individus qui claquent 71 millions avant qu'on a fenêtre. Et nous, on ne peut pas parler. Voilà. Et ça, ma Ramboka, il faut qu'on arrête avec les intimidations. Il faut qu'on nous montre une cartographie des forages qui ont été construits sur frais, sur facturation. Et il faut aussi qu'on nous dise où sont les lampadaires, les 2600 lampadaires au Mbongo et Bima 13 millions. Ma paix, ça, messieurs, Samba Bachili, pour être moins de côté la Kinshasa. Voilà. Donc, à la justice de faire autre. De faire le travail. Le travail. Voilà. Presse et on doit clôturer ce dossier avec vous. C'est à la justice de faire son travail. Mais comme vous savez, Félix Alobi, justice est Koufa. C'est-à-dire que le travail ne sera jamais fait. Fait mot est là. Oublions les 70 millions de dollars, passe à autre chose. Parce qu'en réalité, ADN. Mais on va pas. Comment? Sous régime à Félix, les Congolais ont assouté. Les Congolais doivent Congolais ont assouté. ADN est là. Régime à Félix Tshisekedi allait détourner ma. Félix Tshisekedi ne fera aucun effort. Il est même possible que Kaza Diazonga, ici ce ministre, oublions ça. Ça a été la chanson. Musique, oh, bah, Congolais, bah, bini inconsciemment pendant 5 ans, ou tout, le gars, Félix Tshisekedi, c'était musique qui a détournement 10 millions, 20 millions, 40 millions, tout ça. On est tous sortis. Félix a sali serment à la stade de Mathieu à l'Obi. Oh, je vous promets que nous n'allons pas répandre les erreurs du passé. Mais ce qu'il vient de faire là, on est en train de voir dès le mois de janvier les erreurs du nouveau mandat. Et ne vous en faites pas, rien ne sera fait, personne ne sera sanctionné. Comme le peuple, à ce moment-là, n'est pongi, à ce moment-là, il détourné. Peuple a compris les souffrances, en diminuer les souffrances, rien ne se passera. Malheureusement, vous verrez toujours, tu as des lunettes. Na ba chemise na bango 5000 dollars oh na mbongo ngo baza ko zambongo ya chita le furakari et ça c'est comment pouvez-vous comprendre maman que puis forage oh et ça maka moyennement avec 9000 dollars 8000 dollars binu bosela ngo na 297000 dollars et il y a un type qui prend quand même un courage d'acier de nous parler en bon français avec ses lunettes dorées. Une belle cravate, une chemise qui coûte 5000 dollars avec l'argent volé.
et qui nous dit ah vous ne savez pas de quoi vous parlez, bino nous sommes boyer le côté, c'est idiot, bon le magro forage, il y a puits. Nous allons suivre les dossiers de près. Nous savons qu'avec le régime Félix Tshisekedi va causer sanctionnité. Mais le régime qui va arriver après Félix Tshisekedi, chacun va rendre compte. Vous ne pouvez pas prendre 70 millions de dollars et les jeter comme ça par la fenêtre. Et au Lingi Batouba le battre, il n'y a pas de suivi. Mais je suis convaincu que le régime va travailler en réseau. Cet argent-là, il se le partage tous. Voilà, voilà pourquoi il se protège tous. À un moment donné, ils vont étouffer. Beaucoup de la justice. Mais la justice fait partie également du dispositif et la fraude. Il y a corruption. On nous dit que l'IGF a été. Mais l'IGF, quand vous demandez à Lengeti, pourquoi tu n'enquêtes pas la présidence? Il dit qu'on n'enquête pas son chef, dans la maison de son chef. Qu'est-ce que vous voulez? Et Bago Poisson, Baza protégé avec l'IGF. Ce sont des tilapia, des colibris, l'IGF a kendako. Vous avez une pression. Nous savons comment ça marche. Le système n'a pas changé fondamentalement. Au contraire, arrivé à Félix Tshisekedi, bah, profiter d'un système au Kabila Tikaki, bah, aggraver même la situation. Est-ce que vous savez, maman, que la dette à Congo, dette Nyongo à Congo, est multipliée par deux. Nous avons dépassé 10 milliards de dollars à dette. Alors que quand Félix arrive, il a trouvé, je crois, dans les 4 milliards. Bon, ok. Pourquoi d'être combien l'équipe, c'est comme 10 milliards? Quand l'argent sort dans la caisse de l'État comme ça, 70 millions, on te tient à Minda. Mais qui ça, c'est à la colo Zamba Équateur? Pour mon amour, lumière, mon gars, c'est ça, matin, avion à Boutou. Mais qui t'a c'est que Tambola na Mangeli? Kende na ba Mongafula? Kende na Kinseso? Kende na Nga Bana Boutou? Kota Kingabana Boutou? Y'a qu'à la commune, c'est Kinshasa Lingua là. Ce n'est pas pour rien que les jeunes ne sont pas match dans le bar. Est-ce que les groupes électrogènes, les générateurs électriques, au sommet primis, les jeunes ne sont pas sous la ligne dans le match dans le bar. L'éclairage public n'existe pas. On nous dit même que lampadaire est 5 000 dollars. Qui vous a dit que lampadaire est Ouana? Tout le monde a député, il y a un don. C'est avec 1 500 dollars qu'on va bloquer Ouana. Des simples députés, on va sommer la lampadaire, on va même type, on va voter, on va intérieur, on va 1 500 dollars et tout ça. Et c'est tout en mesure à grande quantité. Et quand ça va 5 000 dollars, t'es. Bref, c'est un système. Ce n'est pas le premier coup qu'on dénonce avec ce régime. Rappelez-vous quand le ministère des Finances, on a acheté un véhicule pour l'ambassade à Congo. Mais là, qu'il y a un ministre Père Zaki, c'était. Le même ministre est venu s'expliquer comment il avait payé vite. Mbongo, on a 5 millions de dollars. Oh non, c'est pas parce que mon petit frère a la société ou a, mais n'a pas qui parce qu'il fallait qu'il va son baba charwa pour le ambassadeur, etc. Il dit que le dossier a été traité par la vice-ministre. Le vice-ministre a la signature. Quand c'est une fois, on peut comprendre. Quand c'est deux fois et que le même ministre vient toujours s'expliquer, ça pose problème. Je n'accuse personne, mais à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ce qui est pire, c'est qu'il y a l'imbongo à Bissobanso. Ceux qui congolais sont les pauvres. Ceux qui congolais sont les pauvres. Alors, acceptons de partager la pauvreté de tous. Les professeurs d'université sont payés moins de 1 500 dollars. Est-ce que vous le savez? Mais quand vous voyez la cravate que le ministre des Finances a portée, je crois que c'est rien que cette cravate peut coûter plus de 1 500 dollars. Rien que sa veste coûte plus que ça. Est-ce que vous savez que métier à professeur d'université, c'est un métier prestigieux? Le professeur d'université quitte le centre-ville avant que Vikine tombe en panne. Comment on a clochardisé le milieu d'entre nous? Écrivez. Le nom de la recherche scientifique n'existe pas. Qui fait encore la recherche? Et avec quel argent? Et sans recherche scientifique plutôt. Vous voulez qu'on invente quoi? Vous voulez qu'on forme qui? Les professeurs ont du mal à revoir encore les ouvrages. Parce que sans recherche, on ne peut pas revoir la matière. Mais qu'est-ce qu'on leur donne? Des pauvres messieurs, des pauvres professeurs, je vais m'exprimer ainsi. Et quand on voit des ministres, des députés et tout ça, jouer avec l'argent de la République, ça pose un problème. La dette du Congo en train de Saoudi, tout comme si on a un pays pauvre, très endetté. Mais l'argent coule à flot partout. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi maintient ce ministre-là
Mais même le ministre, un scandale, c'est le même ministre que Félix Tshisekedi, en violation de la Constitution, en violation des lois, a maintenu au gouvernement, qui continue à engager les dépenses. Il y a le ministre de l'Intérieur qui continue à engager des dépenses graves, alors qu'il expédie les affaires courantes. Où sommes-nous? Dans quel pays on est? Et ça, c'est Félix, c'est suite à la volonté de du roi Soleil qui dit, tu peux être ministre à la fois et être député. Et pendant qu'ils expédient les affaires courantes, avec un gouvernement qui ne sort toujours pas, les dépenses sont engagées, l'argent sort des caisses de l'État. On gère la République et comme on gère sa petite boutique, où on vend les cacahuètes. Où on va? L'État n'existe plus au Congo, madame. Voilà. Nous, ADD Congo, nous engageons à conclusion mettre la pression jusqu'à ce que Mbongo Wana, non seulement tout dénoncer, donc tout dénoncer, mais cet argent rate effectivement les caisses de l'État. Et fout à table à pauvre entité au Nakra, et fout à table à secrétaire général, oh, bah, fout à Mbongo Malongate, et fout à l'argent de l'État. Ma papa Angomba Gogo Takuna la fonction publique, au moins on se dit, bon, c'est là qui ont du mal à prendre le transport le matin, chaque matin, bah, côté ma deuxième arrêt de bus, bah, comme la fonction publique, Kuna, bah, mélitite, bah, causons difficilement, parce que tout est difficile au Congo, mais elle est difficile, quoi, elle est difficile, transport est difficile. Au moins, et fout à Bango, à table, salaire maudit, salaire insignifiant, nous va fout à Bango, mais pas quand même qu'un seul individu. Ce qui va corps à Bongo, la ministre de finance, c'est ça, depuis le début. Il faut dire que bah, conseiller Kuna, na, bah, ministre Yemoko, ce sont des métiers millionnaires aujourd'hui. Voilà. Je n'accuse personne, mais que j'ai eu l'envie de dire que la justice s'en occupe. Mais parce que Félix Assane Lobana, la justice est malade, une justice malade ne peut pas s'occuper pour que l'argent revienne dans les caisses de l'État. Je suis désolé. C'est à nous de continuer la pression. Mais après Félix Tshisekedi, ces gens-là passeront et chacun rendra compte de leurs agissements. Voilà. Merci beaucoup, Prince Epengé. Nous allons prendre cette thématique par rapport aux consultations. Je voulais placer juste un mot. Il n'y a pas de problème, heureusement, tant à yo, moi, 2 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, vous allez prendre la thématique. Il y a consultation à Premier ministre, Judith Souminois, Tsuluka. Je l'ai dit tantôt, Premier ministre a initié ma consultation avec la classe politique congolaise depuis le week-end où il est kaki. Kasi Bandeko, Bamituni, Mituna et Bélé. Les Cambouangope et Pessi, moi, Maloba, dans ma politique, il y a Congo, pour dire différence et Ali Wapi. Spécificité nango et ali nini ya consultation yo premier ministre akosala différence na oyo l'honorable Augustin Kabuya formateur aute kosala n'est-ce pas que ezali ko benda ngonga ya mulai pona kubimisa gouvernement pour que makambo nyoso ba institution nyoso evanda mboka ebanda kotambola tango eko lekate loi et lobby nini mibeko ya mboka et lobby nini po biso banso toyebi Mokonzi Mboka, après tant si amana bana na mois de janvier, lelo to koti na avril, to ko tendre pe déjà vers la fin parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 17, mais ko landa kala mingi te kozala 5e mois to ko zwangonga boni pour la formation ya gouvernement. Et après formation ya gouvernement, ma question pesa ko se poser, divergence wana ce ko komiko utawapi, likambo ya taille ya gouvernement. Pour ceux qui to landi bien, Modeste Bahati président AFDC à l'OBI, il faut réduire la taille du gouvernement car on doit réduire les trains de vie des institutions. Vital Kamerhe n'est pas à l'OBI, il faut un gouvernement à la taille de l'RDC. Divergence ou non. Et Ali, Koutawapi, Kamerhe à l'OBI, Mbosso à l'OBI, Bahati à l'OBI, a coupé ça, Yaye, Ikanisi. Les Kambopé, il y a chantage pour les politiques, les Kambo. Il y a géopolitique. Voilà, Pépé. Merci beaucoup, Namaloba. J'espère au moins que nous attendons. Nous avons dit que vous aurez les mêmes mots aux hommes, donc il faut quand même évoluer. Il dit des choses vraies, mais beaucoup de populisme. Quand il dit par exemple, l'IGF, vous savez, il y a un petit poisson, lui-même, il ne sent pas que c'est du populisme. Lorsque l'IGF
vient s'impliquer pour la renégociation d'un contrat, le contrat sino-congolais, que moi j'appelais escroquerie du siècle. Où l'État a payé sa bamine naïe contre infrastructure, mais pas qu'on s'habille sur tel et l'eau, bon, écoutez la mokati. Excusez-moi, grâce à l'implication de l'inspection générale des finances, aujourd'hui ce contrat a été renégocié et la RDC a bénéficié de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars reconnus par la partie chinoise et ça sera, c'est les bénéfices de la RDC. C'est grâce à l'IGF. C'est grâce à l'inspection générale des finances. Et ça, petit poisson, 7 milliards de dollars, ça, petit poisson, dans la vie des princes et pingues, si ce n'est que le populisme. On nous a parlé ici des exonérations illégales. Au bout de bénéficier, société moins compliquée, etc. Grâce à la vigilance de l'IGF, aujourd'hui, chaque année, 5 milliards de dollars qui s'est volatilisé, aujourd'hui, cet argent est capitalisé par la RDC. Mais est-ce qu'on va nous dire que ce sont des choses fallacieuses? Non. Et c'est ce que nous avons dit. Ici, il s'agit des mâles. Les mâles restent le mâle d'où qu'ils viennent. D'où qu'il vient, le mal reste le mal. Et la responsabilité, justement, du président de la République, Félix Tshisekedi, et Yanine, c'est de sanctionner à son niveau par ce choix. C'est de sanctionner à son niveau par ce choix de ses collaborateurs. Et Sengé Makamboane Salema. Sinon, on risque de donner raison à Kabound. Kabound, avant qu'il n'ait prison, il a fait des déclarations où il dit, mais autour du président de la République, mais il n'y a que des gens qui sont venus pour chercher les lucres. Frapper les choses, frapper de l'argent et puis repartir. Qui n'est pas le président de la République. Et il y a un gros moment qui a eu des pèses confiées. Salama qui entre bateau, il y a un kouya kouya, ba diaspora, n'a pas combattu à UDPS. On disait, les combattants ont souffert, ils connaissent les combats de Tien Tshisekedi. Ils ont été avec eux, avec Tshisekedi. Ils ont pris les risques pour arriver à pouvoir Rwanda. Et tant que UDPS a eu le pouvoir, qu'il envoie, on voit des gens qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, etc., et qui viennent imposer leur façon de gouvernance qui n'a rien à voir avec l'UDPS. L'UDPS, c'est le peuple là-bas. Mais bon, je sais que je suis des tournements à Kazan. Excusez-moi. Il y a des tournements à Marambo, il y a 71 millions de dollars. Il y a surfacturation. Il y a pluie et salamité. Il y a lampadaire et salamité. Le peuple d'abord repose sur l'eau et l'électricité. Alors, quand on parle de cet argent-là, on le parle, n'a pas si la motema. Mais est-ce que ça, c'est le peuple d'abord? Et ça va rembourser l'électricité dans l'eau. Lampadaire, ça, électricité. Maïe, ça, l'eau. Le ministre des Finances a sali par naïe. Mais, ça, c'est la question à poser. Et ça, ça n'aide pas le président de la République. Qui doit faire un choix entre Batounaïe et justement, qui aura sa collaborateur naïe. Et tango otozo beta, ça fait même allusion directement à la future gouvernement. Je n'en compte pas sujet. Mais il faut aussi, quand on va dans le pays, il y a un populisme. Il faut que vous ayez tout le temps pour ce tout ça, l'avantage, il y a ça, la banalise, mais tout ça, il y a un droit à ce tout le temps. Quand on va dire, RDC, sous Tshisekedi, il y a une dette, il y a 10 milliards de dollars. Mais faux. Tshisekedi, quand on va prêter serment, il y a un mandat à Liboso. Il a trouvé cette dette de la RDC sur la gestion à Kabila à 6 milliards de dollars. Vous êtes politique. Il faut que vous m'avez dit tout. Tant qu'on a prêté serment, bah voté et ado prêté serment. Et depuis que Tshisekedi est là, il a connu des calvaires avec la COVID-19. Vous le savez. Ou Boyebi, les grandes puissances sont tombées en faillite. Et la RDC, d'ailleurs, a eu une rigueur sur ce plan-là pour justement d'être intéressé à chiffrer à 4 milliards, plus les 6 milliards qui existaient déjà pendant sous la gestion de Kabila. Aujourd'hui, on en est à 10 milliards. Ça, c'est la vérité. Colomaté, qu'est-ce que tu sais qu'il dit? Madame le président de la République, il y a 10 milliards de dollars, il y a des RDC. Et non, il faut vraiment dire la vérité aux Congolais, tant qu'on est à la TV. Ça, c'est le plus important. Et donc, il y a des choses qui ne marchent pas. Et on le dit, on le dénonce dans l'énergie aux autres en haut. Mais il y a des choses aussi, Oyo, la responsabilité doit revenir au chef de l'État de choisir ses collaborateurs. On a tensé l'IGF ici. C'est bien. Mais si les inspecteurs et l'IGF Bakende qui n'enquêtent dans cette diverté, tout la solectrate, puisque les enquêtes seraient en cours, moi je ne les confirme pas, mais les enquêtes seraient en cours.
Si les inspecteurs de l'IGA Bakedeg enquêtent, on a été. Nadia Linga est un scandale à 71 millions de dollars. Qui pouvait passer dans les médias, qui pouvait nous parler? Justement, il y a 71 millions de dollars, mon bon et bimi, dans ma forage, il y a 297 millions de dollars. Vous pensez que sous Kabila, il n'y avait pas de magouille? Plus grave même. Mais est-ce qu'on avait une inspection générale efficace qui pouvait alerter les gens sur des choses que nous, on a vent aujourd'hui? Et donc, il ne faut pas décourager les gendarmes des finances publiques dans le contexte actuel. Bato baout décourager moto o yazo sala ke moto milinga wana bi mato ka solo kenda ko nezo zika bozo mai boboma atama ya moto bozo boboma muto zo ko alerter biso yo lingo boma e ponda ko zika sota la moto arabia za suspect. Et donc ça c'est le travail que Prince Peng veut faire sur ce plateau de télévision. Non, il faut encourager le gendarme des finances publiques. Il a fait sa part, mais à la justice d'en faire autant. Et d'ailleurs moi j'ai aimé le projet qui existait à Osala, parquet financier. Pour une face à l'autonomie, il y a un poursuivre complètement. Voilà, il faut mais l'IGF fait ça pas. Ferme la parenthèse, côté, s'il vous plaît. Il y a au niveau de la justice. Et ça, il faut le dire. Alingé, tant qu'il n'y a pas de temps, quand on a pris le bonhomme, il vous fait le scandale de Boukanga Alonso. Il vous a parlé d'un scandale à Boukanga Alonso. Mais il en revient justement à la justice de faire son travail. Nous, on attend, on regarde. 300 millions de dollars partis en fumée. Plusieurs accords concordantes. Ernest Ndiang, Likoko, Inspection Générale des Finances. Tout ça, il est osé là. Justice à Moussa, là. Non, il faut qu'il y ait un procès. Nous ne sommes pas dans la jungle. Alingeta fait sa part. Il faut que la justice fasse sa part pour continuer justement à encourager le travail de l'inspection générale des finances. Et donc, venir ici avec un narratif de décourager l'inspection générale des finances pendant que nous avons vendu tous ces détournements grâce à cette institution et grâce au dynamisme de Jules Alingeta, il faut le dire, je crois que c'est de la mauvaise foi. Voilà, on doit terminer. Non, on va intimider. Sans qu'on ait qu'à la chaîne, il y a dépenses publiques. Et pourquoi il y a un dépassement budgétaire et des bosso. Il y a mis balai ali la distorsion des priorités budgétaires. Pourquoi ben sous tes priorités ça wapi, priorité t et ali wapi. Il y a mis ça toi ali évasion fiscale. Il y a mis nei ali détournement des deniers publics. Bobo imbongo il est qu'à circuit normal. Oh, il y a le clientélisme dans la sélection des bénéficiaires. DGCMP a évité. Ma prestataire de service m'a évité. Yo, kamatika repensi na urgence. Oroko y a na infraction. Il y a mis ça, tu as dit. Manque, il y a traçabilité. Il y a ma dossier à l'État. Vous avez vu le roi là. Il y a un monde de ça là. Mboka, et ça anine. Et ça la tengu. Et ça la niamou niam. Et donc, il faut. Vraiment que chef de l'État a pour nos collaborateurs naé et il faut que Steven ya Mike Sanga ya Kasinga na Selectra ya Samba Bashili ba ebisabiso ba pesabiso cartographie ministre fana naé ministre finance fana naé ça lui part naé mais ba to ba kamati kanyaka l'État et c'est ba ça la sortie médiatique na ministère de développement rural ba fournir biso des éléments techniques voilà ba lampadaire ba ti enini ba forage ba ti. Voilà, ngai machine azoi 13 millions à l'État, tala ba matériel yango batieli binu yango. Donc on se connait makambo. 1 minute hein. Ah, na 1 minute. Na 1 minute. Likambo santé. Na 1 minute na holoba. Nous sommes nous souffrons de notre classe politique, malheureusement. Et quand j'ai dit de tout souffrir de la classe politique na biso, y compris même les législateurs. Il a je ne sais pas soit il a peur de retoucher certaines dispositions il y a constitution na biso. J'ai dans un cas de la comparaison entre Sénégal, c'est l'héritier à la qui dans le gouvernement, le président Bibi Lelo, le premier ministre, deux jours après le gouvernement Bibi. Oui, mais les gens aussi, ils doivent savoir que le président de la République a tous les pouvoirs, dans un système présidentiel, où le chef de l'État a tous les pouvoirs. Il ne doit pas de temps en temps se référer au Parlement. Mais nous avons un système semi-parlementaire, où élection sur les salamis, et ça, la texte, c'est la biseau. Et c'est que la députée Moko na Moko, a Kendeko Sala, par déclaration appartenance à la opposition de la majorité. Mais si quoi, le premier ministre a ça, il y a un autre.
Et ça, la conciliabule. Oui, ou tu ça, la conciliabule. Et là, nous sommes malades de notre classe politique. Est-ce que tu dis que 100 jours à chef de l'État, déjà coquille. Et ok, n'est pas ce qu'on coque. 100 jours. Oh, on fait le bilan à 100 jours. Mais on va faire un bilan à 100 jours, alors il n'y a pas un gouvernement, etc. Le problème est ça, au niveau de la gestion et de l'ambition. Si le calendrier électoral est au matin, vous avez suivi le groupe, que je salue d'ailleurs leur efficacité, 80 députés nationaux. Monsieur, tu as dit que ça va positionnement politique, on est ça va dilatoire pour te faire de la kimia, tout là. Qui ne sait pas que Mbosso veut remplir? Il est bien monté. Et que la présidium, tout le monde veut rester, parce qu'il y a Ali. Qui ne sait pas que Kamer veut revenir, le vieux Bahati veut revenir, etc. Tout le monde veut revenir. Mais c'est la gestion des ambitions. Mais d'ailleurs, moi j'ai aimé l'attitude des Bahati dans tout ça. J'ai aimé Youm Toto Tangwawa, dans une déclaration dans le temps de la première ministre, Madame Simino à Toulouka. Bahati Alobi, la RDC doit avoir un gouvernement réduit. Et ça, c'est tout ce que Prince Epenga a toujours dit. La combat n'a ya salaka ya la mouka, que je respecte d'ailleurs. C'est tout ce que nous, on a toujours dit. Moi, j'ai aimé cette attitude. Moi, je ne regarde pas ce que les acteurs politiques font. Je coûte d'abord ce qu'ils disent et puis je regarde ce qu'ils font. Mais voyez ce que Kamere dit, par exemple. Il faut qu'il y ait un gouvernement à la taille de la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous lancez, pavé dans la main, un débat inutile comme ça pour dire qu'il faut qu'il y ait un gouvernement à la taille de la RDC. La boulimie politique, c'est ça ce qui tue le pays. La gestion des ambitions, c'est ça ce qui tue. Mbosso, après être 11 fois ministre, Nambour Anabiso, après, on n'interdit pas ses ambitions. Après être parti en exil, après Mouzé Laurent Désiré Kabila, il revient sous le label du RCD Goma. À Komaki, sénateur d'Amboko, sous le RCD Goma. Il est allé candidat gouverneur dans les Bandundu, après être sénateur, sous le ticket du MLC. Babé Bani dans le MLC. Il est rentré avec Kamitatu. Après Babé Bani, il est parti dans la majorité. Après la majorité, c'est lui qui va nous brandir, touche pas à Mabunda. Après, il est plus Tshisekedi, c'est le lombo. Mbosoza, plus Tshisekedi, c'est que le gars fils Moukoko. Et des gens comme ça, on fait encore. Qu'est-ce que Mbosoza a gagné? Il a presque le même âge. Il a presque le même âge. On a beaucoup de respect pour ses patriarches, mais il est temps qu'il se repose. Il a presque le même âge avec Kiongwa Dondo. Pourquoi il va, pourquoi bloquer calendrier électoral simplement parce que il faut, on attend les tickets, on attend les mais il a dit qu'il n'y a pas blocage. C'est qu'il faut, non, c'est pas blocage. C'est que le politique. Allez, allons-y. Faut comme déclaration généralement. Ce qui est vrai, on a terminé par là. Ce qui est vrai, c'est que il faut tout faire évoluer la loi en Abisso. Il faut réviser la constitution en Abisso. Sur, justement, il faut aussi là, premier ministre, Abisso gouvernement, n'a et ben, qu'il est représenté à l'Assemblée nationale. Bah, représenté gouvernement à l'Assemblée nationale, on a bureau d'AGT. Bah, représenté on a bureau définitif, la parlement, la plénière. Ça, c'est ce qui bloque jusqu'aujourd'hui. Nous espérons au moins que les gens vont taire leurs ambitions, et le chef de l'État va faire en sorte que les choses soient de manière, il y a célérité, pour être tous dans le gouvernement, à Moukoussé et Moukié, et ça la budgétivorté. Les États-Unis, c'est 9 millions quelques kilomètres, mais merci. Ils ont un gouvernement de moins de 30 ans. Ok, personnes. On donne la parole à Prince Epengé. Madame, ce qui est vrai, c'est que... La taille du gouvernement. Pourquoi le gouvernement sortit un gouvernement Ezaliko? Ce que l'on dit, Bemba, l'on dit Ndeko Kamere, l'on dit Bahati, l'on dit Ndeko Mbosso, l'on dit Madame Judith, Bangotu Baloba qui était... Ils sont du bon côté de l'histoire. Dans le Baloba qui était basé dans l'union sacrée pour l'intérêt du peuple. 4 mois après l'élection, Baza Koyokana, Bango na Bangote. Est-ce que Baza Koyokana était pour l'intérêt du peuple? Est-ce que Baza Koyokana était pour l'intérêt simplement à Kozoa une très bonne place dans la majoire? Lélo, après l'élection, la situation est devenue pire qu'avant les élections. Ça veut dire que les élections n'ont rien résolu. Ça veut dire que les élections même contribuent à déstabiliser, à diviser les Congolais. Ce qui doit nous amener à bien réfléchir pour que nous puissions amorcer les réformes et comme ma cohésion, et comme ma attente, et comme ma développement. Bango tout baloba qui était bas au travail na vision à Félix Tshisekedi. Mais quelle est cette vision qui fait que Mboka est à la prise en otage, bloquée pendant 4 mois? La vision à Félix Tshisekedi des Alibas fonctionnaires bas à payer,
Joseph Félix Tshisekedi a été insécurité à l'Ikuna, même à Beni, sur quoi 7 personnes tuées. Mais entre temps, on n'a pas un premier ministre. Parce qu'en réalité, on n'a pas un premier ministre. Parce qu'Atako Banoma qui est tant qu'elle n'est pas investie, elle n'est pas, elle peut rien faire. On n'a pas un président du Sénat, on n'a pas un président de l'Assemblée nationale, mais on a tous les ministres au Félix Tshisekedi à maintenir une fonction en violation de la Constitution qui continue à faire dépasser l'argent de l'État sans contrôle. C'est ça la vision de Félix Tshisekedi? Un pays où ils sont en guerre. Parce que ceux qui te le bib, ceux qui vont m'ignorer, c'est que les gars Congo. Tout est un défi à des Fabiso. Les urgences actuelles, l'est du pays, ça ne va pas, madame. Ça ne va pas. Les obis continuent de tomber, les gens continuent de mourir. Hollanda qui sont sous les Nations Unies, les lots, la Tongo, la RFI, va alerter, va déplacer des guerres dans la province de Ituri, ça ne va pas. Des millions de gens. Ce sont des urgences. Un paiement va fonctionner à l'État, va dépendre à l'État. Économie en boucle qui tombe la malamouté, madame. Au monde État, ça c'est Ali. Bosoto partout dans toutes les provinces. Les assemblées provinciales, ça ne fonctionne pas régulièrement. Alors, il faut que l'institution en boucle, même ceux qui ont une élection, ils ont simulé à l'élection, chaos électoral. Ils allaient installer, mais ils allaient bloquer entre Bango et Bango. Est-ce que Kabila a bloqué Bango le lot 4 mois après les élections? À moins que Kabila a bloqué Bango le lot, Kabila Nzoto. Mais le lot Kabila a bloqué Bango comme Kabila Esprit. Est-ce que Peng a bloqué Bango, Fayulu a bloqué Bango le lot? Mais pourquoi ils ne s'entendent pas? Ça veut dire qu'ils ont pour l'intérêt de Bango Moko. Pour des intérêts égoïstes. Bango Moko ba kolo ba l'Union sacrée et ndeko nanga belé doaza membre l'Union sacrée, il le sait très bien. Baza kolo ba ete ezali mandat ya suka. Moto na moto zo poste ya malonga pona ko yiba le plus possible d'argent parce que d'ici 3 ans, 4 ans makambe ko sila. Et donc chacun veut se tailler meilleure place possible dans la majoire. Donc tout ce qui vous disait que baza du bon côté de l'histoire, non. Du bon côté de la mangeoire, pas de l'histoire, mais de la mangeoire. Et si quand nous avons taf dans mon coup à malam, on l'a vu maintenant. Maintenant, au fond, qu'est-ce que madame Toulouka a en train de faire? Dites-moi, article 78, il y a conseiller l'OBT, ce qui majorité a l'été, président qu'on nomme informateur. Informateur a identifié une telle majorité. De laquelle le président va nommer premier ministre ou premier ministre. Le quoi tu as un multipartisme intégral, tu as le quoi le système, le quoi la fixe deux abas multipartisme parti dominant, il t'a dominé le quoi la ANC. À chaque élection ANC mais c'est une majorité absolue. Mais ici dans le multipartisme intégral, ça veut dire qu'aucun parti ne rapporte de manière écrasante sur les autres. Donc généralement et obligatoirement dans un système comme le nôtre, vous aurez toujours un nommé informateur. Et je partage la vie avec le professeur Njoli, qui est moi comme politologue, que j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse modifier cet article-là. Parce que je ne sais pas, ceux qui ont changé le système d'élection, il faut carrément modifier cet article. 60 jours après ça, Kabuya, en fait, un mois, il faut renouvelable. Esprit article 78, il y a constitution. Et c'est Kabuya, après c'est presque 2 mois, Kabuya a consulté, a vu tout le monde et tout ça. Mais après, Kabuya Tomoï Soussou, la première ministre commence à consulter. Elle aussi. Bon, elle va faire quoi? Elle, c'est la madame Toulouka, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai la droit. Elle est qui est Azaka visible, Félix Atiwana, qui se fait sauter à tout moment. Mais elle a consulté, non? Oui, elle est consultée. Elle est la première ministre, c'est pas peut-être, le temps. Peut-être que rapport à Kabuya Ali. Non, elle consulte pour passer le temps. Chef Et Félix, tu sais que des six casas ont presque porté disparu. Oh, papa, s'il vous plaît, laissez-moi parler. On ne sait pas là où il y a les présidents. Alors, la première ministre doit occuper les gens. En fait, elle veut occuper les gens. Elle veut occuper l'espace. Mais lundi, le président a sillonné. Bâtiment, chancellerie. Sous Mobutu, on a vu des cortèges rouler vite. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Belédou. Tu sais, hein?
Bateau balinga Félix, c'était bien sur linga Félix. Parce qu'on dit des vérités. Non, yo bungi si mi asa. Je savais à Kana ka wandoko le bagage pemi na suka na déranger. C'est ça qu'il a tenté de faire. Mais c'est pas grave. La première ministre veut occuper les gens. Parce que le pays n'est pas gouverné. Alors elle a occupé pour rien. En réalité, c'est le travail de Kabuya qu'elle est en train de faire. Kabuya a déjà fait ce travail. Mais pourquoi elle est en train de le faire aujourd'hui? Ça coûte de l'argent, ce qu'elle fait là. Ça coûte de l'argent. Bref, Félix, tu sais que ces gens n'ont plus rien à proposer. Quatre mois après les élections, rien ne va. Ils ne comprennent pas qu'il y a des exigences, que le pays a besoin d'avoir des gens aux commandes. Dites-moi, comment un ministre qui expédie les affaires courantes, qui est à la fois député, prend des décisions aussi graves, alors que cette période-là est définie par la loi. Quand on fait les affaires courantes, il y a des décisions graves, on ne les prennent pas. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Le problème aujourd'hui, c'est que la guerre de positionnement entre ces poids lourds a tout paralysé. Et Bemba va dire... Mais après les consultations, Bemba, la proposition a été faite au gouvernement. Bemba va dire à Mme Toulou Kabi, maman, mais yo, n'avez pas compris de l'autre. Ngai Bemba na juriste ka kolba vérité ma kamalo ba ma bekonte moninga na Katumbi. Obi Katumbi na Bemba ba ki ba pire master. Mais yo ka tous la Bemba craché contre Katumbi. Bemba azui ba pirogue azui ba moto azui ba risque tout à battre capable pour la Félix Tshisekedi. Ils ont boutiqué les élections, ils se sont maintenus au pouvoir par la force. Maintenant Toulou Kaïb sa Bemba o Bemba yo kozwa 5 ministères to kozwa 4. Bemba bondima. Est-ce que Toulouka peut regarder Kamel, Kamel qui a bâti Kapal, qui a pris tout ce risque-là, peut regarder Kamel qui commence et vous dire à Kamel quoi? Kamel a connu ce maman, toi tu as bâti campagne où? Moi j'ai mis ma dignité en danger, elle est plutôt en danger. Donc bref, la dame n'est pas la femme de la situation. Mais il faut la respecter, pour la minute aussi, c'est elle le chef du gouvernement. Elle a quoi? Ah, ça, chef du gouvernement. C'est infusible, madame, chef du gouvernement. Félix a tiré pour la même ministre. Je vous parle. Le Bano, la réelle politique. Et c'est un de Tibala. Kabila n'a pas dit Tibala. Tibala pouvait dire quoi à qui? Madame, c'est un hasard tout simplement physique. Félix a tiré à même ça. Il m'a soumis sur l'échec qui n'a eu qu'il y a. C'est pourquoi dans le Baki Nabinote, madame Toulouka Azali, ça m'a loupé de vertu féminine. Félix a quelqu'un d'une personnalité effacée, ou à cause de l'ombre, ou à cause de salabou à sali, à tchèque, maman à cause de salé, c'est tout. J'ai beaucoup de respect pour les femmes, mais c'est pas un débat sur la journée du 8 mars. C'est un débat sur qu'est-ce qu'elle va faire. De toute façon, elle n'est pas politiquement vierge. Elle a été déjà ministre du plan, elle a participé aux échecs de Félix Tshisekedi, elle a participé au mandat chaotique de la fois passée, elle a travaillé déjà à la présidence. Elle n'a pas de main propre, la dame. Donc, il n'y a rien à entendre de cette dame-là. La dame est là, on l'a dit, occupe l'espace. Occupe l'espace. Elle est fait exactement avec Kabuya Sasaki. Alors, prends le micro que tu n'as Kabuya. Mais vous avez un formateur. Bah, c'est quand même, comment il formateur. Dites-nous, pourquoi mon salaire n'a eu, maman, tout quoi, comment ça? On peut savoir qui est mon bébé? Mais entre-temps, cette histoire-là ne concerne même pas. Ils peuvent continuer à faire ça. Mais la République, elle est mourir. La pauvreté, madame, en train de gagner du terrain. Contrairement à ce que mon frère a dit, je ne suis pas contre Alenghetti. Au contraire, il y a des enquêtes à Alenghetti, à Salaki. L'enquête, c'est ma contrat chinois. J'ai loué. Mais de la même manière que Naloua qui enquête à Alenghetti sur les contrats chinois, j'ai tapé sur les doigts d'Alenghetti parce que Alenghetti a protégé Batoua Ibambongo Yaram. 460 millions de dollars. Tu crois que ça ne vaut pas la peine qu'il y ait une enquête? Au concert, confrère Nayo qui s'est le Sakono, na Thierry Kambounde, les deux journalistes que tous les aujourd'hui ont posé la question à Alenghetti. Mais Alenghetti, c'était à New York. Mais Alenghetti, ton guide a enquêté na Makambo Yaram. Alenghetti a lobby na kakete Makambo Yaram était exact à Yaram Makambo politique. Comment ça, Yaram est politique? Alenghetti Makambo est le président de la République, a qu'il a enquêté en côté. Parce qu'il y a un moment à la présidence. Mais je vous pose une simple question, messieurs Beledou. Pourquoi le régime Nabino est paralysé, cours de compte? Est-ce que le dit que la constitution est un peu IGFT? IGFT est constitutionnel. La seule institution est chargée à côté de la finance publique. Et ça est la cour de compte. Pourquoi pas ta cour de compte va comme un grand même attaque qui t'a vendre?
Pourquoi vous avez privilégié Alenghetti? Parce qu'il y a une institution qu'Alenghetti ne peut pas contrôler. Président de la République. Mais c'est deux pas de mesure, non? Alenghetti a contrôlé le gouvernement, a contrôlé le parlement, mais Alenghetti est paralysé, tétanisé face aux actes mal gestion et à la présidence. Pourquoi? Mais ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas tout le travail Alenghetti a fait. Alenghetti a voyagé à accueillir Belgique après avoir cambodgien 10 000 dollars à passeport. A bas qui a enquêté. Mais 460 millions de dollars, il y a Ram qui a enquêté. Pourquoi? A bien envoyé une affaire politique. Il y a des contrats de guerre qui se sont passés à la présidence pour le renouvellement chez la présidence. Alenghetti n'a jamais enquêté. Pourquoi? Mais il y a des enquêtes sur Salaï, par exemple, pour la Macambouya, il y a tout le baba. Puis, je loue, j'encourage. Mais j'aurais souhaité qu'enquêter partout intégralement. Malheureusement, Alenghetti dépend de Félix Tshisekedi. Et je me rassure à voir qui a eu qu'enquêté dans mon continuité. Oh, la présidence, c'est un des plus gros budgets de la République. La parole doit tourner. Merci. Conclusion. Madame, je pense que c'est triste de constater que Mbokeza est bloqué pour l'égoïsme et l'union sacrée, pour la volonté qu'il y a Félix Tshisekedi Batounaï, on a pris le Congo en otage. Ceux qui basent à la souci à peuple, n'est-ce pas que le Congo a souci à peuple, mais ce que le souci à peuple, il y a un gouvernement qui est en bango, est-ce qu'un pays en guerre, peut faire 4 mois, 3 mois sans gouvernement? Ce n'est pas la contrainte légale. Oui, 60 jours aux Alli, c'est l'article 78, mais le loi est sur l'égalité, t'en est bloqué, Mboka. Les Alli, avidité, a pas de gain. Bolingo ya mbongo ya mamambo ya nyo sacré. O balingé à tout piba kouta na gouvernement. À tout piba sur l'institution pour se positionner. Voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup bloqué. Maintenant, peuple congolais a appelé de constater. Bato balobaki na bino tuto lini mboka. Bato balobaki na bino peuple d'abord. Alors que ba fonctionner ba payeté, ba le gouvernement qui bimate. Parce que ba la sécurité kouza poste malonga. Est-ce que ba lingi na peuple? To ba lingi na ba poste na ba. Voilà, merci. Quel est le peuple petit conséquence? Voilà. Merci Epengé. Merci. Je l'ai dit au début, traitement réservé au cardinal Ambongo Angeli, parce que nous avons tous suivi que le cardinal Azala qui a empêché Nako accéder à Katia Salon VIP à l'aéroport international. Matangi Angona Katia a information ensemble pour la République a dénoncé une énième dérive na pouvoir Yamboka Nabiso. Voilà Mboka. Beledo. Au regard, il y a ma responsabilité, Nyonso. Au cardinal, Azali Nangona Katia, il y a cercle restreint, il y a collège, il y a 9 cardinaux qui conseillent le pape, s'il vous dit. Est-ce que Azali a mérité un traitement pareil na Katia Mboka? Na Katia Mboka, na Katia République. Mamoussous Babi Azali, humiliation, ou soit, c'est un bras de fer contre l'Église catholique? Merci beaucoup pour la maloba. Nous répondons à la question. On a rencontré nos négupengi. Oh, banda bandi émission. 5 minutes. Hein? Banda. Ah, quand y a un autre timing. Il 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 y a un autre timing. La technique nous fait signe. On doit terminer. Ça n'a pas élégant. Tu es épuisé par thématique. Nous avons 5-5 minutes. Non, même pas. S'il vous plaît, Bélédou. La technique nous fait signe. Héritier, nous tombons à l'hôpital comme dans le timing. 5 minutes. Voilà pourquoi il me traite de tous les noms d'oiseaux. Banda bandi. La preuve incombe à celui qui accuse. Peut-être qu'il y a eu Marabaoloba. Mais si il y a eu Marabaoloba, la ADD Congo, attends, la carte, là, il y a des yeux. Un membre, il y a une union sacrée, des choses comme ça. Donc, je suis Bélédou de Jésus. Je suis responsable du média en ligne Liberté Actu. Et je suis libre d'indépendance d'esprit. J'ai réfléchi. Et je suis libre de mes opinions. Parce que, bien sûr, la journaliste de Toulobara, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et donc, attirer au PSA, bah, comment, bah, Soso, bah, Poukou, bah, PC, ah, tu veux vous réfléchir. Mais na linga ki na loba ce n'est pas le débat, ça débatté
Hein, IGFR, ça crée la nini, ce n'est pas les débats. Mais va lire l'ordonnance créant l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances n'a pas commencé avec Jules Alinguette. Dans un monde, on a la confusion. Non, le débat n'est pas là. Ah, s'il te plaît, non, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Tika, le débat n'est pas là, oui. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On dirait l'ingé tout à l'heure, la tombe, on a créé IGF. A créé IGF, a s'est nommé Kuna, a mis Pessi, Marambosalati. L'inspection générale des finances n'a pas été créée aujourd'hui. N'a renvoyé autant l'ordonnance numéro 87. 323 portant création inspection générale des finances. Et puis, ordonnance sur les agrès modifiée plusieurs fois, etc. Tangaango, Rosamaele, sur sens, il y a inspection générale des finances qu'on a longtemps étouffé pour recouvrir Banine. Mais lorsque Prince Pengé a caricaturé Madame Siminoa, alors il y a ça, ce qui court circuit. Mais ça, je ne sais pas, moi je suis un homme genré, mais ça c'est une discrimination à l'égard de femmes. Ne me fais pas croire, Prince Pengé, que Tina, 21e siècle, les tétés, là, pas tous les tétés, là, toi, par exemple, tu penses que la femme ne vaut rien. La femme ne peut rien faire. La dame n'a pas encore travaillé comme premier ministre parce qu'elle n'a pas encore été avertie. Mais déjà, Prince Pengé a traité de tous les noms. Tous les noms. Incompétence, nini, à refaire sauter. Sur base de quoi? Mais écoutez, cette dame a un parcours. Elle en a profité. Moi, je ne peux pas dans un préjugé vis-à-vis à Adam Wana simplement parce que c'est une femme. Non. Elle a été ministre dans ce pays à plan. Oui, elle a été ministre. Le ministère à plan, il y a Ebiba Prigotier, le ministère à plan. Elle a pratiquement piloté les 145 territoires, les programmes, les 145 territoires. Et vous le savez, le financement à 145 territoires, le financement, ils ont 1,5 million. Mais la RDC à mobiliser, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va faire le suivi de tout ceci. Nambon a partenaire pour que la disponibilité à Mbongo Anezala. Après l'exécution, il y a 145 territoires. Ce n'est pas elle qui entre dans l'exécution, il y a plusieurs acteurs qui entrent dedans. Il y a Beseko, il y a ma structure et Beleko Tanakati. Mais le ministère du Plan a tout planifié et est même allé rencontrer tous les partenaires possibles pour justement obtenir les financements et l'exécution de ces de 145 territoires. Sur base de quoi? Prince Pengoué, la TV, la TV, c'est noir rouge, la cravate à rouge, tu dis, elle est incompétente. Vous distribuez carte échouée. Sur base de quoi vous le dites? Moi, j'ai eu l'avantage de faire toute la République. J'ai travaillé avec Asselo. J'ai fait toute la République, tu sais, quoi et quoi, parce que Asselo faisait l'itinérance. Et moi, j'étais dans les services et la presse. J'ai vu dans les récois, même chez lui, sortir des terres, bah, école, il y a 145 territoires. Des écoles, je vous dis, il y a des territoires qui, pour la première fois, va bénéficier de 10 millions de dollars, il y a gouvernement congolais, pour faire des dispensaires et des écoles modernes. Moi, j'ai vu ça. S'il est de bonne foi, il va le dire, bah, le roi Zanem, il faut se victimiser, populisme. Alors, on dit, mais on dire qu'elle est incompétente, vous le dites par rapport à quoi? Vous avez vu son parcours? Pour une fois, on a quelqu'un de l'UDPS qui a un parcours académique solide. Bon, je ne dis pas qu'il n'en a pas, mais il y en a beaucoup. Qui a fait l'Université catholique de Louvain. Ce n'est pas n'importe quel dame ou monsieur qui peut aller faire cette université. Elle est récipiendaire de là. Mais cette dame-là, Soumina Toulouka, elle a un parcours. Elle a travaillé en APNUD. Elle a piloté un projet au Comore. Il y a réforme, il y a police, il y a armée. Pendant 2 ans, je ne dis pas qu'elle était adjointe à Moutou. Elle a piloté un programme de réforme de la police et de l'armée. Il y a Comore. Sous la label, il y a APNUD. Et vous allez dire de cette dame-là qu'elle ne s'y connaît pas en ce qui concerne l'armée et la police? Toujours le bon gars par ignorance. Toujours le bon gars pour se battre. Toujours le bon gars pour ça. Moutou Moroso discriminer une femme. Tu penses qu'une femme ne peut rien faire? Non, nous sommes en plein 21e siècle. Même les tétés sont contre toi. Et donc, il faut arrêter avec ça. Cette dame-là a travaillé pendant longtemps ici. Il a même été au ministère du budget. Cette dame est passée par le ministère du budget. Elle connaît les circuits à dépenses publiques. Quelqu'un qui n'est pas une innocente dans Marambouya, mobilisation à recette, il y a finances publiques. Quelqu'un qui n'est pas innocente. Namakambo est allé planification et développement. Quelqu'un qui n'est pas innocent, Namakambo est allé armer la police. Simplement parce qu'on pense que la femme doit être en cuisine. Ah, c'est là-haut, l'eau sola pondu, on n'est pas battu là. Ah, c'est là-haut, l'eau sola pondu. Et tu penses que cette dame-là ne vaut rien. Sans s'interroger sur les questions fondamentales, il faut quitter ce clivage-là.
Ça, ce ne sont pas des choses intéressantes. Et nous, en tant que leaders d'opinion, il faut tout décourager ce genre de choses, des clichés qu'on fait sur les femmes. Il y a des femmes compétentes, et dans la presse, et dans l'armée, et dans la police, et dans tous les secteurs vitaux de la vie, nous avons des femmes compétentes. Ne pensez pas au même visage. Si ce n'est pas Fayoul, si ce n'est pas Fayoul ou c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est Fayoul. Si ce n'est pas Bénédou, c'est Chimino. Si ce n'est pas Chimino, c'est quelqu'un d'autre. Je reviens maintenant sur la... sur la question de... Cardinal Ambongo. Mais moi, je suis d'accord que la démocratie, ça ne se vit pas par des biceps. La démocratie, ça se vit par des contradictions. On a des gens, aujourd'hui, on ne sait pas, Basalani Namboga, mais Basalani, passeport rouge, ou passeport, des passeports... Diplomatique. Diplomatique. Basalani Bélé, hein. Mon jeune fille, mon roboué. A qui dormi la rame, c'est que dans Rotana, à Sarah, Belgique, France, Nini, ce beau voyager, il y a un passeport diplomatique. À Sarah Nini, à Zalan, il y a un Mboka, à Zalan, pour une nation, là, Fandi, tout ça, des gens qu'on ne connaît pas, ni titre, ni qualité. Mais on ne va quand même pas faire à un cardinal de notre pays, on peut ou ne pas être d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours été très rigoureux vis-à-vis des positions politiques d'Ambongo, puisque il faut dire aussi que Ambongo est très politique par ses positions, même dans l'homélie, Azara très politique, mais cela ne peut pas me pousser à insulter, à chasser un cardinal, à dire de lui qu'il est indigne, il y a aussi qu'il y a un salon VIP. Non, c'est inadmissible. C'est mettre en péril la démocratie. Vous l'avez dit ici, il siège parmi les 9 cardinaux. Il y a pape dans le Vatican. Et le Vatican, c'est un État qui a un budget, qui est puissant, qui a même une armée, qui a des représentations. Et au-delà de ça, ce sont aux chrétiens. Pourquoi on va respecter des pasteurs ici? Il y a des pasteurs ici qui, chaque jour, chantent Fatih et Dabanine. Mais quand ils voyagent, vous voyez comment on les donne en révérence? Mais pourquoi on ne va pas respecter un prélat catholique, un cardinal? Et n'oubliez pas, on peut ou ne pas l'accepter, la RDC, c'est vrai, c'est un État laïque, mais la RDC a près de 60% de fidèles catholiques, que vous le vouliez ou pas, à travers la République. Et ces gens-là soutiennent les présidents de la République. Si vous pensez aider les chefs de l'État en traitant de cette manière un cardinal, vous ne l'aidez pas. Et donc, la démocratie, c'est un jeu qui s'est accepté l'autre, quelles que soient ses opinions. Il est vrai que cardinal a la bonne opinion. Entre Soutane, na Bible, cardinal Zara, puis naïe Baraté. Il a même fait des déclarations extrêmement graves. Et on n'est pas d'accord avec lui, Tolobarayango. Mais aller jusque à toucher un prélat, à l'interdire de ne pas aller dans le salon des gens qui tuent ce pays, qui sont appelés honorables ministres, députés, qui tuent ce pays. Quelqu'un qui, par ses opinions, etc., vous pensez mal le traiter, je crois que ça ne tient pas debout. Yeah. Là aussi, ça n'en roule pas bouillé. Au-delà de Bévu et Samir, pas cardinal, on n'a pas la condamné. Il faut vraiment qu'on mette de l'ordre dans l'aéroport, dans Bissou. Il faut qu'on mette de l'ordre dans cet aéroport international d'Engil. Est-ce que vous savez que les passagers, quand tu arrives, on te dit que tu n'as pas le droit d'accéder à l'entrée internationale. Ataïbi procédure, ataïbi ninité. Et certains sortent de là, ce sont des réalités. Moi, j'ai l'habitude de voyager par cet aéroport. Ce sont des choses à décourager. Peut-être les responsables ne savent pas. Et RVA, etc., ne savent pas. Mais il y a des choses qui se font dans cet aéroport qui sont intolérables. Et là, traiter les cardinaux de cette manière-là, je pense simplement que c'est déborder cette manière de maltraitance. N'a pas passager, n'a pas haute personnalité. Ce n'est pas aider les présidents de la République, ce n'est pas aider aimer la démocratie. Voilà, merci beaucoup Bénédio. Et Pengé, on clôture avec vous. Merci beaucoup madame. Je ne vais pas être dévoyé par Ndeko Nangaye Toko débattre Naye, parce que j'ai compris que a commencé émission intitulée Alingeti. Je ne sais pas par quelle magie. Depuis prisonnier à Mamaloba Alboso, tu n'as souka Alingeti. Je comprends, Alingeti paye bien. Et donc, je comprends. Deuxièmement,
vous avez compris que c'est avec raison de la lobby naïe aux alliés moto à union sacrée. Parce qu'un journaliste reste dans l'analyse. Un journaliste fait la thèse, l'antithèse et fait sa synthèse. Mais Belette n'est pas dans ça. Lui, il est dans des conclusions bien rodées d'avance. Tango na lobby makamboya, madame, je la respecte comme femme. Mais ici, il ne s'agit pas d'un débat sur les sexes. Or, un journaliste qui est supposé être mène un débat sur les sexes. Ngana lobi boy. Madame Judith, avant comme ministre y a plan, azakine nous, membre y a président de la République. Berere y a passé Félix Aouta Koulibaly stade été. Togotika Berere y a passé. Judith pas azaka la présidence faisait partie de Berere wana. A commenté peu aye. Parce que c'est un système. Deuxièmement, ayeko comme ministre y a plan. Et pour qui connaît le rôle y a ministre y a plan. Ils ont un rôle cardinal dans un régime, dans un pays. C'est ce qu'on a visé global ici, comment on gère l'État, comment on conçoit les programmes, les projets de développement. C'est ce sens là que Mme Jita a tchaki misunaye, a supervisé qui exécution à 145 territoires. Est-ce qu'on dit que constitution école primaire, il y a 600 de classes, la province a été une territoire et Rumo, école les Damas, 600 de classes, la nomenclature budgétaire, ils ont là qui budgétisé à 130 000 dollars. Mais la constitution, on a soukanango, école à 600 de classe, école primaire à 600 de classe, ils ont construit à 455 000 dollars. Mais madame, j'ai dit, tu as supervisé qui le quoi, la ministre a plan. A dénoncé qui, ces facturations là? S'il vous plaît, de la calmer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Bélévi. A dénoncé qui va s'y facturer, programme à 145 territoires? Bon, ONG, il y a oh, la spécialiste de la finance publique est belée. On dénonce la surfacturation jusqu'à hauteur de 300 millions de dollars. Il y a un programme à 55 territoires. Madame, je dis, toi, supervisé. Au bureau, la supervision. On a participé à la conception, peine à financement, peine à supervision. Avec fait un communiqué, avec dénoncé la surfacturation. Il y a un programme à 55 territoires. Non. À quoi elle est excellente? Si elle a vu une école de 130 000 dollars, elle était construite à 455 000 dollars et elle n'a pas dénoncé. C'est comme ça qu'elle a l'objet que Mme Mwana Azali politiquement vierge était. Que y'a pas ma boko na Azali propreté. Mme Judith Pé a supervisé ma Kamboya projet ou constitution centre financier. Mais est-ce que vous savez que Bouyabez ou est-ce que ma Kamba 300 millions de dollars pour les batteries ou les aigles utilisées? A-t-il dénoncé quelque chose là-bas? Non. Donc, Naza Koloba m'a ben aillé, le col à moi, cité, je n'ai pas vu son sexe. Je n'ai jamais, moi, Prince Pengue, parlé de sexe ici. Mais yo, journaliste, c'est un gars qui a analysé. Au comique, au Koloba, comme un sexe, c'est quand même. S'il vous plaît. Discrimination. Ah, bon, maintenant, je vais vous montrer que je suis politologue. Maintenant, je vous ramène l'analyse comparée le col à politologue. Sami Badi Banga, tant qu'Abila a nommé Premier ministre, on a dit que Badi Banga est visible. Badi Banga ne fera rien. Parce que Badi Banga Zaki Mobali. Vous avez bien un homme venir, une femme venir, non, vous avez un homme Badi Banga pour Badi Banga Zaki Mobali. Mais c'est simplicité d'esprit. Et vous, journalistes, vous devez vous en débarrasser. Hein? C'est vraiment ça. L'analyse ne requiert pas ce type de réflexes aussi réducteurs. Moi, je parle de la femme. Je parle de la première ministre. Je ne parle pas du sexe de la personne qui est devenue ministre, messieurs. Il faut savoir faire la différence. Et je vous montre d'où vient-elle. Qu'elle a participé de ma fiasco, non, sur le régime Félix Tshisekedi. C'est de ça que je parle. Non. Pourquoi voulez-vous caricaturer ce que je dis? Voilà. Il a approché l'ombre. Moi, je vais approcher les faits, madame. Je reviens à débat si Makamboya et Tata Kardinal Mbongo. Madame Mboka Moko de Tambola Kassaz interdit. C'est aucun au Japon, aucun au Chine. Les Asiatiques, parfois, ils avancent parce que les Asiatiques sont toujours fidèles à la critique. Ils ont un Mboka où ils ont un Kéiba et un Simbakate. Oui, on ne touche pas ça. Ça, chez nous, on ne fait pas ça. Au Congo, tout est permis. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de génération. J'ai vu même aujourd'hui un débat si, oh, Tomoni, maman, Anakuna, Azako Yambaka, Batunyo, j'ai dit, c'est que dans une certaine société,
contenir à maman, peu importe ça, moi, je ne le pas. C'est comme ça aussi que la République marche. Et même si la République est telle qu'elle est conçue actuellement, c'est un prêt-à-porter amené de l'Occident, mais tu as une dose de la Babantou Nakati. Parce qu'il faut toujours tropicaliser un peu la pratique. Cardinal Ambongo, tout d'abord, Namboula Oyaye, Ali diplomate, Nengaza Lakawana. Parce que pour un Ango diplomatique, ce n'est pas pour rien qu'il va pécier. Azali digne, très haut digne, fils de la République. Azali tata cardinal et église catholique. Romain Noana. Azali, le premier pasteur du Congo. Oui, le premier pasteur du Congo. Moi, j'ai sillonné également la République, moi. Pendant 12 jours, j'ai pris l'avion pendant presque 12 jours. Chaque jour, j'ai Congo. Je suis arrivé dans Bandouam sur le Congo. Oyo. L'état a lité, maman. L'état a lité. Natamboli 100 km, mon adat policier mon côté. Attends, c'est comme moi, représenté l'autorité à l'état. Mais j'ai vu l'église, l'église catholique. Donc, à celui premier pasteur, il y a beaucoup de ceux qui ont voyagé, ceux qui placent dans la salle d'honneur, place dans la salle d'honneur, 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 aéroport dit le cause aéroport pour la capitale le Kolambo qui s'assate. Aéroport dit il faut zander aéroport en Bandaka. Dans niveau les alliés à contrôler à propriété à équipement. C'est pas aéroport qui mérite aéroport à capitale vitrine en Mboka Congo. Un peu de 100 millions d'habitants avec plus de 2 millions de kilomètres carrés. Le Congo ça même c'est une grande nation. Comment peut-on dire au cardinal que au côté na salon d'honneur te. Salon d'honneur wana maman même ba bourgmestre ya Pamba ou ba kota kana salon d'honneur. Bah député beaucoup ta salle d'honneur. Bon, tata cardinal. C'est pas chaque jour qu'on a un cardinal dans un pays. Kabila a humilié aussi Basango. Mais Kabila n'est pas allé jusqu'à dire à cardinal Mosengo que Mosengo compte la salle d'honneur. Et pourtant Kabila avait Mosengo alobana ba kabiliste na Kabila yemoko les médias qui doivent dégager. Félix Tshisekedi a fait un tweet. A félicité que papa Mosengo. Tanga Mosengo alobaka te les médias qui doivent dégager. Félix Tshisekedi a applaudi ça. Mais Kabila a le bac a été Mosengo en compte dans son honneur. Pourquoi lui dépense l'Union Sacré Bazaki millième Bokaboy? Ils allaient comme Nakati ADD Congo, tous avaient condamné, Nakati à la mort condamné. Mais tout ce qui est Félix Tshisekedi a insulté. Parce que je suis convaincu que hors de Witaki Nalikolo, ce n'est pas par hasard. Parce que ce qui m'ont tué assez à l'évision, le cardinal Ambongo, ce qui a raconté, c'est prémédité. Exactement prémédité. Ce qui est de routine, ne m'ont pas pas mal dans le parti politique, tout ça, que le cardinal Ambongo, ce qui a raconté. Même le cardinal est solo. Tout comme ça a été. Ah, tout comme même. Ce qui est mon libre agent officiel, il y a un repas en Gilles. Va exécuter. C'est prémédité. Et puis, il y a un niveau à l'écolo. C'est là où nous disons que Félix Tshisekedi doit suivre ce service. Va identifier qui a donné l'ordre. Si ce n'est pas lui-même, va donner l'ordre, na muto apesi ordre wana, va identifier ba jawana, et puis mutango pe azala châtier. Pourquoi demain Félix sera ancien président? Il peut subir aussi ça. C'est un peu comme Joseph Kabila aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui interdire d'entrer dans le salle d'honneur? On peut lui interdire d'aller là où on réserve aux anciens présidents? Non. C'est-à-dire que respectons la République. La République qui a ses lois. La République qui a ses rouages. C'est quoi qu'on dit en science, pour diriger un État, il faut connaître un État. Nous passerons, nous tous. Félix va passer. Prince Pengue deviendra le président de ce pays. Moi aussi, je ferai mon temps, je passerai. Mais si je n'ai pas respecté celui qui a été avant moi, qui est Kabila, qui est Mobutu, qui a été Mobutu, qui a été Mouzé, qui a été Kassavubu, si moi, Félix, je passe, les autres me respecteront. Moi, quand je viendrai également, quand je passerai, les autres, ceux qui viendront après moi, me respecteront. Le problème, c'est que ici, Bamamba IDPS et Union Sacrée veulent réinventer la roue. Pona Bango, Mboka Kongo Bandiko. Hôtel Saphir,
un bijou au standard international en plein Matongé, au Grand Carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.